I can make love Bravo de mort aujourd'hui. <laughs> Tant mieux, je suis ouais. contente pour toi. Est-ce que c'est parce que c'est le mois de la sensibilisation au cancer des testicules? Mais je suis guéri! <laughs> je l'avais, je l'ai pu. Est-ce que c'est parce que tu t'es auto-diagnostiqué avec le Ball Shaker App? Parce que j'ai appris que ça existait grâce à nos amis de Manscaped. Wow! Tu downloader une application qui s'appelle le Ball Shaker App, qui a été conçue par euh, l'Association de la prévention du cancer des testicules. On le souhaite. Puis ça t'explique comment faire pour euh, te auto-diagnostiquer. Euh, ben tu, te, tu, tu peux pas te découvrir un cancer, mais en tout cas, s'il y a une bosse... Là, oui, demande pas aux gens dans le métro. jai <laughs> une bosse? une bosse? Fais, fais, pas ça, fais pas ça. Mais je connaissais l'autodiagnostic pour les seins, mais je savais pas qu'il y avait la même chose pour les testicules. Fait que sache que ça existe. Oui. La première étape pour le faire, c'est d'être détendu. Yes. Je te recommande de faire ça soit dans le bain ou dans la douche. Bon savoir. Information intéressante par rapport aux testicules. Mon père a un seul testicule. Ça, c'est incroyable. Quand j'étais enfant, rien de moi. Ah. « T'es juste un testicule, juste tout, 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 Le testicule de ton père est allé dans ta mère. Puis ça me fâchait. Ce... Puis je me suis déjà battu pour ça. Tu t'es battu? battu. le gars. Fait que j'allais bien, moi. Mais, ouais, je comprends. Mais en même temps, ça serait quand même fascinant que dans le testicule, il y ait juste un spermatozoïde géant. C'est moi. c'est toi. <laughs> moi, je te. <laughs> Mais j'ai pas de cheveux, peut-être ça. Il y ça. en avait juste ouais. un. Je bouge même. <laughs> Et j'adore les ovules. Je connais aussi un monsieur qui que. Pourquoi je. je, je un monsieur. Un monsieur, mais c'est parce que c'est. C'est avec qui tu as fait l'amour. Non Non, c'est un monsieur que j'ai rencontré dans un congrès. T'as que fait l'amour, parce c'est Non, non. <laughs> Qu'est-ce qui se passe je sais pas. Il parlait de ça. Il parlait qu'il s'était comme égorgé un, test, un testicule puis qu'il avait été enlevé. Je sais. Regarde dans les... Ce moment est <laughs> commandité par Manscaped. Manscaped! <laughs> Pour les <laughs> filles qui vont dans les congrès qui se font parler des testicules égorgés Non, OK, Matt. OK, bon. Le, avec le code promo COUPLE20, vous avez 20 de rabais. le vrai code promo, c'est le gars dans le congrès qui parle de son testicule à Steph. C'est ça, le vrai code promo. Faut que tu mettes tout ça. C'est COUPLE20, gang. COUPLE20, 20, 20 de rabais. La livraison gratuite sur Manscape.com. Ils te font livrer le gars qui parle de son anecdote de, de testicule. Il vient chez vous, il t'explique. <laughs> si tu veux ne pas pas t'amputer tes testicules, tu utilises les produits de Manscape. Pour en savoir. Puis, ils nous ont envoyé aussi un autre produit, mais cette fois-ci, c'est pour le visage. C'est comme tu veux, là. Non, mais c'est parce que je pense que qui, ce qu'ils disent de ce produit-là, c'est qu'il faut pas... Tu... Ah pensé, oui! Écoute pas ce couilles. que je dis. Écoute tu comprends? le papier. Le papier, <laughs> papier ils disent pour ton visage. <laughs> ton visage. Donc euh, c'est the Plow 2.0. 2.0. Il nous l'a envoyé puis je l'ai amené. Je me suis dit que vu qu'on donne toujours des cadeaux aux invités mais on donne la rien à Poseidon. Je me suis dit qu'on ferait oh. à Poseidon. Et Poseidon, Steph l'a déjà utilisé. Elle a rasé son poil de dos. <rire> <rire> oh shit, ça c'est les. Euh les Butterfly Razors! » Oui, c'est ça! C est c est cool. ça. Oh, ouais. ça a été des conquis! Ben oui, oh. tu vois! C'est vraiment... Alors, je suis contente que tu aimes ton cadeau. Je ah, laisse... merci beaucoup, ça vous, me fait apprécié. vraiment plaisir. Maintenant que voilà. ça, c'est fait, on embarque dans le vif du sujet. Grosse nouvelle cette semaine dans le monde de la télé-réalité au Québec. La, la sexologue dans « Si on s'aimait oui. » est remis à... Et, Il y a une et, enquête! Il y a une enquête par l'ordre des sexologues à l'endroit de Louise Sigouin. Vedette de la télé-réalité, si on s'aimait. Il y a un article extraordinaire dans Le Devoir. C'est eux qui relatent ce... Cette enquête. Cette enquête. Oui. C'est des participants de l'émission qui se sont plaints à l'ordre, parce qu'ils considèrent qu'ils ont été mal représentés, qu'ils oui. considèrent qu'elle a mal agi dans le cadre de l'épisode, oui. et c'est extraordinaire. Oui. Mon bout de préféré qui ressort, c'est lorsque tu, tu lorsque es candidat pour l'émission, tu signes un papier, te dit tu vas jamais parler en mal de l'émission. Pour l'éternité. Ouais. Si tu meurs, ils te prennent et te clones tu peux pas parler en mal de si on en 2983. Dans ta huitième vie, tu peux pas parler de si on Non! Ils vont revenir puis ça va être fini. Tu peux pas. Puis pourquoi parler en mal de si on s'aimait? Tu sais que tu vas t'en faire un projet tout croche et ils disent, hey, tu peux oui. jamais parler en mal de moi. Mais <laughs> pas juste en mal, tu peux jamais parler de ça. Je pense que c'est parler en bien. J'ai du fun. Je sais pas. Ce serait bien qu'il y à en bien. OK! Ça <laughs> changement! Ça ferait changement. Tout le monde qui dit Je me suis pas, renti, je me suis pas senti respecté mais j'ai voulu mourir après. Mais tu sais quoi, mon amour? Oui! Des fois, les gens, ils trouvent que tu es too much. Oui! Mais il y a une chose que tu disais vraiment souvent par rapport à cette mission-là, et c'était la suivante. C'est peut-être pas la meilleure affaire quand tu es un professionnel de la santé mentale de filmer tes entretiens avec tes patients puis de les mettre à la télévision. Et non seulement de les mettre à la télévision, d'en faire une trame narrative pour une épisode de télévision. De, de de à, télé télé à TVA. As-tu déjà été sur euh, les commentaires de TVA Nouvelles? C'est ce monde-là qui regarde ça. C'est les Thérèse qui disent ouais, « Ouais, elle est Oui, lui, il est mienzeux. En tout cas, on la voit trop, elle. Euh, tu pourrais t'habiller comme du monde. C'est ce monde-là qui te juge. Je pense ça que, en doit en être fait, terrible. » C'est une chaîne reconnue pour ses émissions de spectacle. <coughs> non, c'est de... ceux qui écoutent TVA Nouvelles... Est plus brillant. Tu penses? Pas, je pense, c'est évident. <laughs> c'est pas le plus brillant. C'est pas le plus brillant. Mais. son sont C'est pas le plus brillant. Ok, parfait. Mais. <laughs> cest ce qui est brillant? Oui. La chaîne YouTube, à moi. C'est vrai. Oh, oui, on, on lit vrai. les commentaires. Mais oui. Ouais. Surtout ceux qui trippent sur le métal. C'est les commentaires les plus justes j'aime ça quand même un peu le métal moi aussi j'aime ça mais ceux que la photo c'est la mort son particulier <laughs> ben, c'est c'est sûr que <laughs> une chaîne youtube Puis ton, ton ouais. user c'est souvent ceux qui commandent tu fait chaude bon mais c'est dit c'est quand même gentil merci <rire> <dit>. <rire> mais notre invité par contre a un lien avec lui si ouais ah oui, c'est vrai hein. Alors, on va tout de suite l'introduire. Pierre hey, Bruno Rivard. Allô Salut Eh hey, mon dieu, oui, c'est dur pas de jump in dans votre intro. <rire> <rire> son, 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 son! Hey, moi, cancer des testicules, je suis le gars qui a eu le plus d'échographies de gosses sur la sais? planète. Ah, oh, commence par ça Moi, je fais des torsions testiculaires à répétition depuis que j'ai genre 8 ans là. <laughs> Qu'est-ce que c'est Mais ça doit ça? être extrêmement douloureux. C'est long testicule <laughs> Non, non. <laughs> c'est ce que <laughs> dans le fond, t'as une gosse qui est en dormant, c'est souvent une position juste une mauvaise position, elle va tourner. Fait que tes canaux vont twister, puis là, il n'y a plus d'influx de sang. Fait que ça hanse, puis ça fait super mal, puis ça devient full gros. Il faut que tu ailles à l'hôpital, parce que si ça se détwiste pas, t'as peur, mais souvent, naturellement, ça va finir par se détwister puis c'est correct. Okay. J'ai été à l'hôpital tout le temps, là, depuis que j'ai 8 ans, pour genre... J'ai mal au gosse. Oh! Parce que tu euh, je trouve pas le mot... Tu pas un malade imaginaire, c'est un vrai.. Non, non, c'est une vraie affaire de... J'ai mal au gosse, tu sais. Tu ne vas pas, à l'urgence, je crois que mes testicules sont enflés, touchez les madame. » Non, mais ce qui est compliqué avec ça, c'est que des fois, le temps que tu vois quelqu'un, ils ont des enflés. puis là, ils sont comme, ben, je peux pas te dire ce que tu as. Fait que ça fait comme 20 ans que... 20, 25 ans que... J'arrive là-bas, ils sont comme, ben là, on, on le voit plus tant, parce que puis je fais, oui, mais c'est pas, j'ai attendu 8 heures, tu sais. Oh, c'est un fou. Ouais. Euh... Puis à un moment donné, je fréquentais une infirmière, puis c'est la première fois qu'on couche ensemble, <laughs> puis là, on couche ensemble, puis là, C'est Mais moi, c'est le même que, que je fais ça, ça c'est yeah. tro yeah. trois mouvements. <laughs> Et là, j'ai mal après, puis c'est la personne la plus qualifiée dans la pièce Fait qu'elle dit, ben, je vais t'examiner. Fait que ma première date avec cette fille-là où on couche ensemble, finit que moi je suis debout dans le lit, puis elle est en dessous de mes gosses avec son sel à palper. <laughs> pis a juste googlé, genre, pis comme Ah ouais, je pense que c'est un peu ça. puis écoute, ça a cassé toute la gêne que j'aurais pu avoir de genre de, de cette ben, relation-là. C'est extraordinaire. C'est beau, oui. C'est ouais, beau et c'est, faut que je le mentionne, très excitant. Extrêmement ouais, érotique. Est-ce qu'elle l'a détwisté? Elle a été capable de t'aider? Non. Ben, choses. mais Elle a okay. identifié des trucs, puis euh, finalement, okay. je t'ai passé d'autres échographies. Moi, les, les salles de, avec des posters de bébés, là, puis l'échographie, <laughs> c'est des salles de femmes enceintes. <laughs> là. Oui, c'est oui. ça toute ma vie. C'est comme, tu dois faire le. <laughs> puis là, que toi, Moi, c'est mes gosses, puis <laughs> il y a quelqu'un qui le fait, puis comme. Écoute, il y a une année, pour vrai, genre, ma gosse a fait plus de TV avec moi, Je J'en regardais, genre, la petite affaire, puis j'étais comme, ça m'a fait rire en dedans, j'étais comme, ouais, j'ai pas eu une super année. Puis, quand j'avais 10 ans, j'étais au, euh, au Chul à Québec, le okay. Centre Universitaire de euh, Laval. J'ai 10 ans, et ils ont fait une erreur, c'est qu'ils m'ont rentré dans la pièce de femme enceinte, ils ont mis la machine à échographie, ils ont mis trois tubes de gel qui okay. étaient là. Il okay. y a une personne qui fait une première échographie, et ils quittent et il va revenir avec un groupe d'étudiants pour comme genre okay. mon dossier ouais, non, ça. mais il a laissé la machine allumée okay. les trois tubes là moi j'ai 10 ans je suis ouais. un petit gars curieux là Ils sont revenus j'étais badigeonné de la tête aux pieds et j'ai tout checké dans la machine là, ah! là. Ah! délicieux il y a rien que j'ai pas checké là ah! j'étais huileux là ça. Genre... Je le corps. Mais comme là, ça c'est des poumons, ça a l'air de ça, ça c'est mon cœur c'est cool. Mais, mais tes taxes pour payer ça. Ouais, mais c'est ça ouais, ça <laughs> vos taxes sont payées des tubes de lubrifiant. Écoute le médecin il est rentré il a fait effect, Mes taxes, mes on va voir tout. <laughs> mes taxes, mes impôts, mes <laughs> Là, j'étais comme. Puis le médecin, il a vraiment fait un genre de. Oh. Puis il s'est retourné vers les étudiants. Il a fait, bon, comme... première leçon, laissez pas un enfant seul avec une machine d'échographie. C'est pour les jeunes médecins. Oui. C'est tout bon, ça. C'était pour oui, former oui. les médecins de demain que j'ai fait ça. C'est certain Et faut savoir, oui. savoir à quoi ça ressemble un foie. Exact. Wow. Faites-vous checker. Mais t'étais un running gag de cette course c'est sûr. Ils hey, vont jamais revenir. Ils vont jamais revenir. Tu plus que 10 ans. <laughs> Et, avais tu honte ou t'étais. Ouais, c'est arrivé. La première fois, j'avais honte. Ma manie, j'étais juste comme, hey, pauvre, allez-y. J'ai plus de gêne, moi. Je parle de quand Oh non non non. <laughs> J'étais comme ça c'est votre erreur là. <laughs> hein? Moi j'ai une quête de savoir infini, je fais comme ça c'est votre fuck up à vous là. <laughs> Moi tu t'avais juste à pas me laisser avec ça. Désolé. <laughs> Y a -il quelque chose à faire pour prévenir qu'une gosse twist Ouais, wow. pas vraiment non. T'es coincé avec ça C'est vraiment étrange. Puis là, j'ai des kisses finalement, mais ils sont pas assez gros pour les enlever. Fait que ça, 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 ça restreint l'espace un peu, puis ça fait des problèmes. Oh. Là. Mais il y a rien à faire réellement. sais. un le que, très euh... pro canadien. T'es au bon endroit parce que tu n'es, mettons, au Venezuela, ça t'a coûté super cher. Exact. Oh, wow. oui, totalement. Totalement. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un au Venezuela qui vit ça aussi là. C'est sûr. Oh, oui, oui. Oui. Pierbino, ok, j'étais peut-être pas nécessaire à l'accent. Ah! 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 En le disant, je me suis dit, ça fait rire, c'est pas bon. Mais je prendrais le temps rire, de parler avec, pas par bon. exemple. Les voix partirent, oh Je le ferais, une correspondance en, en espagnol ben pour genre oui. réconforter un Vénézuélien qui a des torsions oui, testiculaires. Dit, là. justement, moi j'ai accès à, aux soins de santé universels. Je oui. peux te le dire, il faut que t'attendes que le temps passe puis détends-toi. Exact. Voilà. Je suis allé souvent à l'hôpital gratuitement euh, parce que c'est possible dans mon pays <laughs> puis ils vont rien faire pour toi. tout ah! bon, ça c'est une super correspondance. Je beaucoup la retraite. C'est un ce super échange de courriels. Ah. <laughs> puis avec l'infirmière, la question est-ce que ça s'est poursuivi? Parce que là, vous étiez liés par un moment incroyable. Un euh, ça s'est terminé éventuellement, mais on est devenus des amis. Je suis ami avec pas mal toutes les filles que j'ai fréquentées dans ma vie. Ça, ça devient des vraies réelles amitiés comme ah, le toi, fun. Toi, toi, es pas puis, euh... De. Rester ami avec tes ex. Ah oh, oui, pas son dégoûtant. <laughs> C'est la, la sûr que quand euh. tu essayes de me rentrer la tête dans une porte en vitre, après j'ai pu en. C'est ça. On, soit on peut pas aller au Doliz ensemble jouer au pool. C'est sûr ouais. que ça justifie de couper ça les. Ça peut pans. jouer un petit peu. Voilà. Ouais. Louise, euh, ouais, Louise c'est ça. Te... Ben c'est parce que tu parlais de Louise au début. Oui. Euh. Est-ce que tu es, est es un des candidats de si on s'aimait oui. si <laughs> Non, parce que là je t'en coupe, ça va bien. Mais, okay. euh, mais, mais ah, pas rapport à si on ce là Mais Louise, l'affaire c'est que. Moi, je vois comme sa, sa conjointe qui est. C'est ma, ma psy actuelle. Ta nouvelle psy. Incroyable. Ma nouvelle psy parce que l'autre est morte. Exact. Là. Exactement. Elle euh... peu plus jeune pour que tu dure un peu plus longtemps. Est -ce est -ce elle est un peu plus jeune. Elle fume. Elle fume pas. Ah! Non, non, je te jure. Là, on est, on est, ils, ont fait, ils ont travaillé ensemble, ces deux-là. C'est pour ça que quand je l'ai elle J'ai pas de place. Puis Louise m'avait dit J'ai pas de place. Je vais te référer à l'autre. Puis l'autre elle m'a dit "Ouais, j'ai pas trop, j'ai pas trop de place." Puis J'ai fait "Ouais, c'est parce qu'elle est morte." Puis elle a fait comme "OK, c'est beau, je vais te prendre parce mm -hmm. que es, c'est trop une situation fucked up pour qu'il fasse comme "Ah non, on va te laisser tout seul arrange-toi. toi là. Mm -hmm. Fait qu'elle m'a pris puis euh, j'ai fait plein d'affaires malades avec. C'est vrai, t'es content eh, oui. Ouais. Comme quoi Travailler avec des chevaux même. <laughs> Qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai fait de la zoothérapie avec un cheval. Est-ce que tu l'as fait plusieurs fois ou juste Plusieurs fois. c'est okay. qu euh, quoi Extraordinaire. C'est apprendre à puis moi j'y croyais pas là ça sonne très ésotérique puis ouais. je suis un gars assez rationnel puis là-dessus je suis comme hey bullshit là comme moi je suis en ce moment ouais ouais, ouais. moi je suis comme hey l'eau de mes tu sais je suis comme tant qu'à faire là. mais euh, c'est impressionnant quand je l'ai vécu j'ai fait waouh ok ça fonctionne pas vrai c'est que les, les chevaux sont hyper sensibles ils sont juste dans le senti fait que ça c'est pour t'apprendre à affirmer euh, dans ton nom verbal, puis toi-même t'affirmer dans quelque chose que tu ressens. Mettre tes limites toi-même. C'est ça que ça t'apprend à faire. Okay. C'est super impressionnant. Là. Le premier exercice que j'ai fait, je me mettais au centre d'un carousel, je pense qu'il appelle. Puis le cheval, il tournait autour de moi. Puis simplement, genre, il fallait juste que j'y donne des commandes, mais que je les, je les, je les sente, puis que je les affirme en dedans de moi, sans dire un mot, sans rien, sans faire le signe. Okay. Puis lui, il accélérait ou il ralentissait. C'était instantané. Là. Il sentait tout de suite genre okay. il y avait quatre vitesses, il y avait comme il y avait l'arrêt, il y avait le trou, il y avait un petit courir un peu plus vite puis courir vraiment vite. Puis aussitôt que je switchais puis que je faisais comme là, il sentait puis il ralentissait. Puis je disais pas un mot là. Wow, c'est vraiment impressionnant. Quand tu vis ça là, comme genre de connexion avec un animal, tu fais OK, c'est pas de la bullshit là. Mm -hmm. Puis l'autre affaire, c'est une affaire de mettre tes limites dans vie, genre s'arranger euh, ré... pour que les gens respectent tes limites. Fait que dans le non verbal, tu sais juste imposer un non, ça c'est ça puis tu restes mm -hmm. là. Puis le cheval, dans le fond, c'est que tu fermes les yeux, puis là, il, il s'en vient, puis il sent ta bulle, fait qu'il rentre pas dedans. Puis là, c'est à maner de se dire, OK, c'est beau, tu peux venir, sans qu'il dise, juste le sentir, puis il catche tout de suite, puis il vient. Puis pour te prouver que ce n'est pas de la, de, la, de la crap, tu le fais les yeux fermés, mm -hmm. puis là, genre, tu, tu, tu le fais, puis quand tu ouvres les yeux, il est exactement là où tu as dit, non, stop, arrête, puis arrête tout ça. Tout ce temps-là, wow. il y a la, la blonde de Louis Sigouin. Qui est là. Eh ben, je l'ai pas croisé, elle était pas là. Quand je faisais mes affaires, ils avaient ensemble, là. C'était sur un ranch qui ont pu, je pense, à ce moment Il y avait un ranch génial. Puis il y avait une chèvre, là, j'adorais ça. Moi, je me pointais plus tôt, jouer jouer avec la chèvre. C'était malade, c'est C'était vraiment, vraiment le fun, là. C'était Ah, mais c'est cool l'affaire avec le cheval. Ouais. Vraiment, là, pour un gars comme moi qui est comme sceptique. Est-ce que tu à l'appliquer dans ta vie après 100 Ok. Moi, je ne jamais. Parce qu'avant, quand il fermait les yeux, je m'approchais. Puis là, je fais plus. Mais le cheval, ça t'apprends à danser un J'ai un problème, c'est pour ça que je suis jamais sur le même show que puis après Bruno. Je suis toujours autour de lui. Puis là, il me fait toujours aller plus vite. Puis, il dit dans sa tête, il dit ah. arrête, puis il tu <laughs> tu Non, il fait tourne le bac, tourne le bac, tourne le bac. On est pas sur le même show, mais je suis venu de voir jouer. T'étais en Headline à Québec, oui, puis étais dans en ville, puis je voulais te voir. Fait que je suis passé au bar. Je m'en souviens, je m'en souviens. Oui, t'as fait un rire, on a joué, c'était le fun. Mais oui, mais la question à Steph était intéressante tu l'as appliqué dans ta vie puis ça l'a fonctionné ça oh, Oui, ça, absolument es capable de mieux mettons imposer tes limites aux gens ou envoyer une énergie de ce que tu veux avoir, ouais exactement ou... c'est pas mais c'est pas dans, dans le Voyez ça dans l'univers cette affaire là c'est vraiment ben ouais. plus dans t'affirmer mm -hmm. dans mm -hmm. euh, l'énergie que tu dégages, dans que tu dégages ouais. puis t'imposes de hey non toi, c'est non mm -hmm. puis euh, ça c'est tout ça c'est too much puis tu peux le faire dans le non verbal avant d'avoir besoin de le verbaliser puis de dire genre hey pour vrai genre, reste -le, là tu me tapes c'est nerfs. » ouais. Fait que tu peux fait que ça a vraiment fonctionné puisque en fait c'est de créer le chemin puis de comprendre c'est quoi quand tu es grounded tu fais ah oh, c'est ça être grounded OK mm -hmm. fait à partir de là dans la vie de tous les jours ben, tu l'appliques puis tu vois les effets réels là, de genre euh, là je suis disponible viens mais si tu sens que je ne suis pas dans le vibe parce que c'est ça que je dégage viens pas parce que tu rentres tu sais je te, te ressors. » là t'sais. Ouais 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 ouais. c'est vraiment, vraiment vraiment étrange mais c'est le fun à vivre là. Ouais, ouais, Pour un clair. sceptique comme moi qui a fait comme ah oh, ouais c'est pas de la merde ça OK cool Pis t'es un sceptique tu as quand même un background en sciences, tu mm -hmm. en parles dans ton show, ma thérapeute est morte. Oui. Okay. <laughs> t'es disponible. Go! Vimeo! Disponible, ouais, Vimeo, exact. Euh, ouais, t'as un background en sciences, t'as étudié en chimie. Ouais. T'as fait un switch vers l'art. Uh -huh. Pourquoi? Ben euh, écoute, j'étudiais juste en sciences parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi, en fait. Là. Moi, je voulais avoir le plus de portes ouvertes possible. Fait mm -hmm. quand je suis sorti du secondaire en français, j'étais allé au cégep en anglais faire sciences de la santé je parlais pas un mot d'anglais fait que je me suis... j'ai toujours une technique piscine de... remplie de merde c'est même joué ça il okay. y a une piscine remplie de merde sautes dedans puis j'ai pas le choix prendre à nager mais d'en avoir dans la gueule sinon ça va donner quelque chose fait que j'ai fait ça fait que j'ai eu mon, mon deck en sciences de la santé j'ai fait mon que je fais ben, à l'université en sciences et technologies agroalimentaires qui est de la chimie alimentaire en gros fait que ouais. je suis parti à Québec puis j'étais déjà dans un band à ce moment-là qui s'appelait Elephantine, qui était un band on a fait de la tournée quand même pas mal on a fait de la radio pour faire le même puis j'ai découvert la scène plus avec la musique en groupe. Puis quand je suis rendu à Québec, j'ai plus de bande parce que les gars sont à Montréal. Fait, il euh, y a une journaliste qui m'a dit ah, il va faire un concours d'humour." Enfin, J'étais dans un marché aux puces à Québec faire un concours amateur. Tu quel âge environ J'avais 18 probablement. C'est un méthode qui animait ça dans wow. un marché aux puces Jean Talon. Puis j'ai fait mon premier show là. Puis après Quoi mon... 3... Euh, c'était avec... des liners. Je faisais juste des liners. Ah, tu savais écrire un gag, c'est bon Ouais, mais ben, c'est pour ça que j'ai réussi à rentrer à l'école. Parce que je savais écrire des liners, mais c'est tout ce que je savais faire. En fait, je faisais pas de bits. Je faisais rien d'autre que joke, prémisse, punch, prémisse, punch. Puis j'y allais là-dedans. Puis c'était bien correct pour moi. fait que Je lisais mes mes 8 jokes, joke. Puis je sortais du truc. <laughs> Donc faut commencer. Ben, bon. ben oui, il faut commencer. Puis ils m'ont donné. Euh, il y avait une radio commerciale là-bas qui m'a engagé comme writer après ce show là. Ah ils m'ont hey, tu voudrais-tu venir? Tu » sais, Ça va être bénévole au début, mais alors, éventuellement, ils m'ont payé. Mais j'allais à tous les matins à radio écrire des jokes d'actualité, les faire en studio ou les donner à l'animateur. Fait que j'ai baigné là-dedans toute l'année en même temps que j'allais à l'université. Okay. J'ai fait mes auditions de l'école, je suis retourné à l'école, j'ai lâché l'université puis j'ai fait... Euh, on fait ça à wow. temps en plein à cette heure. Ouais. Ah, c'est vraiment un beau parcours. Très beau. Ouais. Cool. Tu sais que l'humour c'est une passion si t'as joué dans un marché aux puces pis t'as fait j'en veux d'autres. Ouais. ouais. C'est une vraie passion, là. T'étais ah, mordu obsédé là. par ça. Là. Pour ceux qui wow. ne connaissent pas beaucoup l'humour, c'est pas les conditions optimales. Non. Un marché. Un steakhouse de marché aux puces. Oh, euh, wow. Le monde venait en skidoo, c'était sur une ligne d'hydro. Fait c'était un public rempli de monde en One Piece, de skido avec un casse à la table qui mange un steak poivre. Je sais pas wow. si t'as ouais. observé. Euh, il y a très peu de shows d'humour qui sont filmés dans ces conditions-là. Il y a une raison. Ouais! c'était horrible. Mais en même temps, tu prends tout au début, Oui, tu sais pas! Puis j'ai fait des rencontres merveilleuses. Puis toi Oui, permette-toi, tu passé quatre heures au téléphone à m'aider à écrire mon numéro. Wow! Des moments de générosité de même quand tu commences, il y a plusieurs gens que je peux te nommer qui ont été genre d'une gentillesse et d'une patience juste de... Tu m'amèneras rien, toi, là, là. Mais je vais prendre le temps parce que je t'aime bien, là. Mm -hmm. euh, Lui, file la prise. C'était le premier show que j'ai fait. Il dans l'âge, après, il m'a donné plein de trucs. Il m'a expliqué c'était quoi un rieur aveugle. Là, le show d'après, je ne faisais que des rieurs aveugles. <laughs> c'était la seule affaire que je connaissais comme procédé. Un euh, rieur aveugle, c'est quand tu euh, as trois éléments tu as le qui, quand ou quoi. Euh, dans une blague, et tu caches un de ces éléments-là, puis tu le révèles juste à la fin de ta blague pour donner un sens au, à la blague au, au complet. Okay. cest on est en train de baiser, c'était malaisant, puis le gars du Zellers est venu nous avertir. Mm -hmm. L'espèce de classique cheap mm -hmm. qu'on qu qu rit tous euh, de ça. On, a tous ri. on, <laughs> non, mais on rit tous de oui. ce procédé-là cheap. Oui, euh, ben, en fait, c'est que là, si j'avais dit « On est aux Zéleuses, on fait l'amour », c'était malaisant, ils sont venus nous avertir, c'est pas drôle. Mais si tu révèles à la fin que c'est Zéleuse, ben là, le monde, y rit parce qu'ils font comme « Ah, tout ce temps-là, tu était dans un Mais Fait que ça, élaboré. T'as pris quelqu'un qui pourrait rire et dire « Ah, tout ce temps-là, tu était dans un Zéleuse ». ouais t'as dit version pas. C'est la version la plus « dumb down » d'expliquer la joke, là. Non, mais on comprend. Mais c'est ça, exactement. Ben oui. Très cool. Puis, euh, donc, oui, parlons plus sérieusement de ton show, Ma thérapeute est morte. Parce oui. C'est ça. Moi, je pensais que, pour vrai, moi, je pensais que c'est une, une joke. Mais ouais. ma thérapeute est réelle. J'aurais aimé morte. ça. C'est pas une joke, nous en parlait. Je sais, mais je veux dire, comme quand il a sorti son show, puis tout ça, puis je voyais ça passer. Je, je savais pas, moi, que sa thérapeute était morte, pour vrai. Mais t'écoutes pas. <laughs> peut-être que si si c'était davantage, tu <laughs> saurais. Et là, maintenant, c'est le temps d'arrêter de, de parler et d'écouter. <laughs> et d'écouter euh, deux hommes. Qui t'explique. Ok, expliquez-moi l'humour. Puis il y a les thérapeutes qui meurent. Ouais, <laughs> la mort en général. Un jour, je vais mourir, mon amour. Puis sûrement avant toi. Avec la vie que j'ai. Mais toi, vécu. si ta thérapeute meurt, tu vas, tu vas faire dans le cadre. Qu'est-ce qui va arriver Comment tu réagirais, toi, Tom si ta Je ne peux pas la quitter, mais ça serait, ça serait génial qu'elle décède. C'est ta seule façon d'arrêter. Ouais, d'arrêter de, de l'avoir. Je souhaite ouais. la mort à ma thérapeute. <laughs> C'est bon hein, ça. C'est des belles énergies envoyées dans une. Ils viennent de te dire que ça marche en plus, envoyer des énergies. Fais pas ça. Mais ouais. oui, donc, ta thérapeute est morte. T'en euh... as fait un show, c'est une dame que t'as vue pendant dix ans puis qui ouais. a changé ta vie. écris nous ouais. est Écoute, c'est une vieille madame, là, pis je veux pas faire les lignes du show, mais je vais vous la décrire réellement. C'était vraiment comme une grand-mère. Euh, c'est une ancienne toxicomane alcoolique qui avait arrêté, ça, fait, ça faisait 30 ans qu'elle faisait plus rien. Puis, c'est une vieille grand-mère sévère, avec un ton sévère, une grosse voix de cigarette, les dents un peu jaunes, elle avait comme une coupe longueuille, un peu comme moi. Puis elle me recevait dans son salon, puis euh, m'assoyait, puis je jasais, puis il y avait son chat qui était là, je flattais le chat, on me faisait un café, on, on fumait des tops. Là. Puis... C est, c est que quand tu m'as expliqué, que tu fumais avec le thérapeute, du trouvé de l'aran. Ouais, c'était. Puis parfait pour, parfait pour toi qui es fumeur. Puis... Oui, c'était à l'époque, c'était génial. C'était comme c'était pas plus décontracté comme ambiance de jambon. Je mais dans le salon quelqu'un, ça s'allume des tops, puis on fume, puis on jase. Comment euh... vous étiez trouvé? Euh, C'est un humoriste euh, qui me l'a référé, okay. euh, qui la connaissait de quand lui il était plus jeune. Okay. Quand, 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 ben, C'est à l'époque, de quand il a fallu que j'arrête, que j'étais vraiment... Lui, lui, il était proche de moi, puis il m'a vu, puis il a fait, OK, regarde, va voir quelqu'un, puis il m'a donné son numéro. Fait que je suis rentré là-bas. Puis c'était une dame, là. Tu sais, quelqu'un que l'humain est transparent, là. Mm -hmm. T'as pas dit un mot, là. Elle te regarde, elle fait, OK. Elle, elle peut peser sur un bouton, puis tu t'effondres. Genre, à oh. 16, le monde, c'était... Impressionnant et peurant en même temps. Mais quelqu'un comme ça, de bienveillant, ça donne une thérapeute incroyable. Quelqu'un de malveillant, ça donne un gourou de sec. Ouais. <laughs> c'est ça que je reproche aux astuces coachs coach de vie c'est ils font plein de formations, mm -hmm. puis ils ne filtrent pas qui a ça. Mmh. Mais genre les outils que tu as en thérapie quand tu es formé pour intervenir, c'est les mêmes outils que si tu utilises ça comme manipuler. pour manipuler, ouais. ben ça donne genre les leaders complotistes puis tout ce monde-là. Là. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment fucked up. Là. Ouais. Fait que c'est super dangereux de... C'est un lien de confiance, mmh. amener la, les gens à faire des réflexions, les amener à quelque part. Vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Fait qu'il faudrait que ce soit surveillé, ça. Mais c'est mon petit commentaire éditorial, c'est Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais ça me ça? fait très, très peur parce que le monde en détresse, il cherche juste de quoi, tu sais. mm -hmm. Fait que si c'est la mauvaise personne qui est là puis qu'elle a tous les trucs qu'elle a pognés de... Oh, « Non, non, mais je vais faire ça pour aider les gens. » Tu fais « Ah, oh, finalement, c'est pour avoir des dons PayPal. » T'es comme « Tabarnak! » C'est ouais. du monde pété qui vont rester pété. Ouais, ouais, clairement. Fait que, euh, fait que ouais, j'ai découvert là, puis j'étais allé la voir, puis c'était comme. C'était incroyable. Là. Ouais. Incroyable. Là. Première fois que je l'ai vu de. à broyer j'étais comme ça. Avais-tu déjà vu une, une, une psychologue? <laughs> non, j'avais eu à m'amener. J'avais demandé à mon père, hey, je sais pas quoi faire, puis là, à job, tu job, il y avait un programme d'aide. Fait que, il m'avait amené une trousse d'aide psychologique, okay. mais tu sais, c'était genre. Corporate, corporate, juste pour dire qu'ils le font. Là. Fait que là, as genre... t'avais des, des vieux livres poches là-dedans de voici les affaires que tu peux te sentir. Tu peux appeler quelqu'un. J'avais appelé, puis c'était générique. C'était mmh. tellement pas ça. c'est la seule fois que j'ai eu ça. Mmh. Puis après ça, je suis rentré là-dedans, j'ai fait OK, je sors plus de, ça de là. ça qui est malheureux euh, de la psychothérapie, c'est si. Malheureux. Ça me fait de la peine quand j'entends des gens qui ont besoin d'aide, qui trouvent pas d'aide. Puis souvent, l'aide, c'est le terme parfait, est générique. Alors, t'es au plus vulnérable vulnérable, vulnérable tu as un mauvais service mm -hmm. alors dans ta tête tu te dis mais c'est fini ouais ça aide pas tant que tu auras jamais tu vas jamais aller chercher de la, de la bonne aide parce que alors que très, très si tu été malade au restaurant une fois t'arrêtes pas d'aller au restaurant dans ta vie tu pas là. vulnérable tu juste un peu faim tu sais ouais, mais il y a quelque chose là-dedans mm -hmm. c'est une fois mauvaise puis c'est des humains Ouais, ouais. Fait que c'est pas des super-héros, ça ouais. se peut que le fait, tu se fasse des pas. Acteurs, des mauvais acteurs, des mauvais humoristes, des mauvais thérapeutes. Exact, il y en a qui ont pas d'écoute, tu sais. Moi, il fallait pas que tu me flattes dans le dos, il fallait que tu me brasses, puis que tu me saccaperais puis elle, c'est ça qu'elle faisait, mais il n'y a, a pas un psy qui fait ça, ouais. tu sais. Mais elle, je suis dessus, mais elle est comme là, tabarnak, puis là, elle me brasse. On va aller dans le fond de la canne de bine, on va gratter, <laughs> on va gratter, on va enlever le reste, on va cleaner ça, puis on continue. J'étais comme, ok. C'était euh, ce genre de madame-là, ça ouais. fait que moi, ça a changé ma vie bien raide. Ouais. Puis, euh, ça. Elle était extraordinaire, puis là, ben, elle est morte. Puis, euh, puis t'en as fait un show. show. J'aurais aimé <laughs> ça qu'elle voit, mais que, écoute, elle, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait mourir. Puis là, je, elle voulait... Comment là? C'est vraiment particulier, en fait, euh, parce que je chantais, que la première fois, je la voyais un peu plus fragile, mais ce qui m'a vraiment touché, c'était son premier réflexe parce que j'étais un des derniers qu'elle voyait elle voyait plus grand monde elle, elle, elle m'avait juste moi parce qu'elle m'aimait beaucoup on avait une relation puis ça a peut-être dépassé le cadre éthique là, mais euh, elle m'aimait parce que j'étais super ouvert j'étais super volontaire j'étais comme je veux comprendre puis c'était facile pour elle là t'sais. puis elle m'appelle puis ce qui m'a touché c'est que elle avait le souci de je vais mourir mais je veux te préparer toi parce que je sais ce que ça va faire chez toi t'sais. Elle m'a appelé pour me dire, hey, j'aimerais ça qu'on se voit, pour que je t'aide à, à parler de ça. Puis j'étais comme, hey. puis j'y avais dit, j'ai fait pour vrai, non. On peut se voir, mais on va parler de toi. on va pas mm -hmm. À partir de maintenant, on ne ramène plus ça à moi. C'est comme, tu vas mourir, tu as le droit de trouver ça. épeurant, effrayant, tu as le droit de tout vivre seul. Oui, tu as le droit là, de vivre ton moment. genre Merci pour comme, ton don de soi, mais comme ce moment-là, il est à toi, puis je ne me l'approprierai pas. Là, mm -hmm. Autant que je vais avoir besoin d'aide. « Prends-les, t'en as fait assez, c'est cool. » mais C'était vraiment une discussion bizarre à avoir, mais en même temps, c'est comme deux personnes qui veulent « carry » pour l'autre, puis c'est ça. Oui, c'est beau en même ouais. temps. Mais tu sais, ça je trouve que dans ton show aussi, tu, tu parles donc de ta relation. Tu parles de plein de choses, mais tu parles mm -hmm. de ta relation avec elle, puis... Il y a tellement, il y a des moments absolument hilarants dans ce spectacle-là, mais on sent aussi tout l'amour que tu avais pour ouais. cette femme-là parce La que tendresse surtout. oui, puis tu sais, elle a changé ta vie pour le mieux aussi. Mm -hmm. Absolument. Pis, honnêtement, c'est ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un show d'humour que j'ai vraiment été ému deux trois fois puis là, il fallait vraiment que je fasse comme là, oh, là moi pas pleurer. <laughs> on enregistre le podcast bientôt avec PB. Juste... <laughs> ah ben merci parce mais, que je pensais pas faire ça. Mais non. parce qu'on le sent, on, ouais. on le sent vraiment puis euh, je trouve ça super. L'amour et la, rec la, la reconnaissance que tu as pour elle. Ben merci ouais. parce que j'écoute, tu sais tu me dis ça puis ça va ça, à l'encontre. Ça, ça va à l'encontre de tout ce que moi comme humoriste, j'avais le goût de faire de mm. moi, tout, tout quand ils voyaient des numéros émotifs ou des numéros de même ça, ça me tentait pas. Mm. Ça, c'était juste, je me disais, ça va être déjà être chargé émotivement, mais, mais je veux juste que ce soit le plus drôle possible. Fait que mon, mon but, c'est de faire un show qui était drôle. Ouais. Je suis content de savoir que ça, ça, ça transparaît. Ouais. mais c'est pas un show lourd ou un show genre parce que ça me faisait super peur de, ouais, de oui. faire un show genre Meet Out, Meet me Non, 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 c'était un show de stand-up. Tu sais, je fais des lignes, il y a des lignes tout le long, mais ma prémisse, c'est un... Hein, plus fun à aller jouer dedans parce que ma thérapeute est morte que genre, hey, je suis allé me magasiner une piscine. Ouais. <laughs> fait que le défi d'écriture était plus intéressant pour moi d'aller jouer là-dedans puis d'être ultra open sur des affaires que le monde sont comme, ok, c'est intense là, genre que, ouais. que tu me jases de ça comme si tu me parlais d'aller magasiner genre une canne de bine tu sais. Ouais. Fait qu'il y avait de quoi que j'aimais là-dedans. Mais je suis content de savoir que, que ça se sent quand même. Ça, euh, ça se ça 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 tu... cool. sent que tu pèses sur le clou là. Comme ouais, c'est ça. J'ai pas le goût d'appuyer ça. parce que tu joues pas pas de violon là. Je comprends. On est humain sans les violons dans la vie mm -hmm. de tous les jours. En stand-up, c'est ça, dans l'écriture et dans l'interprétation. Ouais. Tu peux le montrer au spectateur ce moment-là est plus calme, ce moment-là est plus doux. Ouais. Obligé de d'avoir Là là, là la peine parce que la lumière a changé, c'est pas nécessaire. Exact. J'aimais ça casser ces bouts-là avec des gags qui y avait aucun bon sens genre de ouais qui sont super frites là tu sais mais ouais. genre c'est ça là t'as un moment super émotif avec une joke qui est tellement élevée que t'es comme tabarnak tu sais ouais. juste pour comme shaker le monde puis faire comme y a rien de grave là on continue ouais. c'est juste ouais puis en fait même temps justement en rire c'est une façon de, de t'approprier la situation de la dédramatiser de la ouais. tu sais parce qu'on rit d'une situation qui est pas drôle non euh, je recommence ouais. parce qu'on rit d'une situation qu'on la prend pas au sérieuse exact Et tu peux Rire d'une situation, mais être vraiment touché par la ben situation. Comme quand tu ris à des funérailles, là, on, on, tu peux le vivre, là, tu te retrouves en famille à des funérailles, puis à Mané, il y a un petit sous-groupe qui se forme, puis à Mané pour des funérailles. C'est pas ça que tu me dis quand je faisais des blagues aux funérailles. donc grand <laughs> Oui, mais... Et moi, j'ai fait ça constamment aussi. Là. Je suis pareil. Là. Moi, ma, ma grand-mère, oui, quand elle est décédée, on était tout autour de, de, On a passé beaucoup de temps, ouais. seul, chacun à monter la garde, puis euh, ouais, à ouais. avoir des petits moments de lucidité. Puis quand t'es vraiment, hein, quand es morte morte, sais mon père était là, moi j'étais là, pis là mon père pleurait, puis sais mon père il me connaît le fait, j'allais juste le voir, puis sais il pleurait, puis là je le réconfortais, puis je disais sais là je veux que tu pleures, puis je fais c'est correct, t'as plus besoin de faire semblant, tu peux faire ton comédien. <laughs> <Épartie>, imparti parti. <là! rire> ton homosexualité tu peux la vivre pleinement puis il riait en pleurant, tu sais. Puis c'est juste pas ah, qu'on ouais. qu banalisait, c'est que moi, je me dis tout le temps, les affaires tristes ou les affaires tragiques, si t'en ris pas, ta seule option, c'est pleurer. Oui, exact. Donc, on peut-tu se donner un autre choix qui est mm -hmm. moins pénible puis qui est plus le fun, tu sais? Oui. Ça, ça dévalorise pas la non, peine, pas ça, du tout. Ça, oui exactement. Exact. Fait que, tu, sais, tu fais juste créer, réussir à essayer de créer quelque chose de le fun et de positif à partir de quelque chose d'ultra négatif. Puis en tant qu'humoriste, moi c'est ça qui a donné un sens à toute ma, ma quête du rire depuis le début. J'ai écrit mm -hmm. mon premier stand-up en dépression. Puis j'ai fait, ok, ça a ce pouvoir là genre faire rire du monde ou écrire des jokes puis être dans cet univers de rire là j'ai fait comme nice ok Fait qu'on va aller jouer dans marde quand j'en ai d'intéressant je fais pas exprès là si je veux ouais, écrire ouais. de quoi c'est l'épicerie j'écris de quoi c'est l'épicerie là c'est pas grave là, comment t'as appris que t'es en dépression euh, ben écoute que, parce que je passais mais je faisais des nuits blanches quand j'ai lâché l'université avant de switcher à l'humour officiellement c'est la première fois de ma vie que j'abandonnais quelque chose moi mm. j'abandonne pas dans la vie genre, je fais quelque chose je me rends jusqu'au bout même à, à en brailler, je suis là jusqu'à la fin t'sais. Puis c'est la première fois que je lâchais de quoi. Puis là, c'était un bac. Puis moi, j'ai été élevé euh, du côté de mon père. C'est pas de sa faute, mais moi, j'assumais que si j'avais pas un bac, j'allais jamais avoir de vie. Mm -hmm. Dans ma tête, là, si t'as pas de bac, t'es es dans marde pour le restant de tes jours. Mm -hmm. Fait que j'étais comme je viens de ma vie. J'étais terrorisé. Fait que je passais toutes mes nuits euh, à boire, genre de, de minuit à 6 heures du matin. Et je buvais un 12 pack de bière. Puis j'écrivais des jokes sur mon ordi. J'essayais juste de. Juste, je baignais là-dedans, là. Fait que j'ai passé comme un bon six mois à faire ça. En gros burn-out de genre, la vie vaut pas la d'être vécue, mais j'écris des blagues à travers ça. C'est devenu le numéro que j'ai fait en, en, dans ah le concours, tu ah. Fait que là, j'ai fait, OK, ça, ça peut mener à ça. J'ai fait, fait qu'à cette heure, je capoterai plus quand je vis de la merde. je vais faire comme, tu sais, surf la, surf la vague, là. au bout de, de ça, il va y avoir des jokes. Mm -hmm. Fait que c'est le fun, ça donne un sens à tout, je trouve. Je trouve genre. ça super le fun. Donc, ben pour ça, ben, t'sais, tu fais ça en chaud, y avec un détachement, le monnerie parce qu'il relate à des affaires, puis tu es comme, OK, c'est ça. C'est pour ça que j'ai vécu ça. C'est bien correct, dans le fond. Là, t'sais. Ouais. Il y a des choses de le fun là-dedans, je trouve. Ben, mais ça. Hein? Puis ton show, ma thérapeute est morte, tu l'as autoproduit, mm -hmm. tu l'as capté. Ouais. C'est entièrement toi qui es en charge, donc de A à Z euh, de ce projet-là. Yes. C'est facile en hein, produire un bébé. C'est easy. <rit> Les gens n'ont aucune idée. <rit> <rit> t'sais, vous, vous le savez avec le podcast. là. Puis moi, moi aussi, j'ai mon podcast depuis cinq ans. sais, je fais tout seul, puis tout ça. Puis. Puis le monde au début regardait ça de haut, puis tout le monde s'en est parti un. On fait ça, Ah, ok, ok, tu sais, ils mm -hmm. comprennent tout. J'ai tout, mm -hmm. tout le temps droit à un moment de Ah, excuse-moi, j'avais rien un peu, mais je catch. Là. <laughs> puis produire un, un special, c'est quelque chose. Ouais, parlons-en. Hein? Ouais, par parlons du dé, par, parlons par où que... tu commences ouais? tu Par quel bout Tu dis, Ok, je veux capter mon show, euh, je... c'est un show. Combien d'étapes d'avoir un show Ouais. Oui. Mais ça, tu sais, c'est une étape immense. Il faut que oui. tu une heure et demie à capter. Ouais. Exact. Ou ouais. une heure, là, bref. Ouais, moi, moi, je les ramenais à une heure, ouais. Okay. Ben, écoute, c'est que je faisais les rodages, ça allait super bien. J'ai fait comme une quarantaine, cinquantaine de dates. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai fait, ah mais là, euh, genre, je, je sentais que je voudrais plus faire le show après une pause de je ne sais pas combien de temps qu'on s'embarquait. Mm -hmm. Fait que j'avais une opportunité à l'Impérial, j'avais reporté ma date que j'étais supposé faire. j'ai fait, ben, on va le capter. Fait que je l'ai capté un soir, ça faisait quatre mois que je l'ai pas faite. j'ai fait comme ça va être ça. Genre, go! Fait que là, j'ai appelé des chums. Ils m'ont tous descendus. ils m'ont aidé. J'ai un cousin à Québec qui est un gars de son. Je trouve ça drôle, le cliché de dire ah, y a un cousin qui fait du son. J'ai vraiment un cousin qui fait du ouais. son. <laughs> et, et le son est incroyable. C'est pas un hobby. Là, non, c'est ça. Ouais. C'est vraiment sa job. T'sais. Il était coach sur le tech il était comme je t'arrange ça. Il m'a sorti des kits pas chers. Ouais. C'est vraiment comme on se met main dedans. Pis, Aller chercher du monde qui sont motivés puis qui croient en toi puis qui font comme on va le faire. Fait que j'ai un chum avec une caméra red, tu sais que ça vaut genre 60 000 tu t'es comme non, je vais me pointer. Puis... Mais louer ça, ça coûte comme, je sais pas, 4 4000 par jour. Là. Mm -hmm. ah, il va l'a ouais. pas louer, il a fait quand même je me pointe, je vais être ce plan là, mon autre chum il a fait moi j'ai une bonne cam, je vais être ce plan-là. Puis euh, ça. Après okay, ça, c'est cool. cool. le montage qui est la chose la plus pénible au monde. Tu l'as monté? Euh, j'ai assisté le montage, dans le fond. Il a fait le, le rough cut. Après ça, j'ai fait Ok, là, on change de plan là, on change de plan là. Tu wow. ben, ah, C'est toi. Euh, ouais, c'est ça qui m'a rendu que fou regardé, du podcast, ouais. c'est que toujours ta face, ouais. puis tu t'écoutes. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça. Moi, à un j'ai pris un recul. J'étais comme, il y a beaucoup de moi dans ma vie. Là. Ça me tape un peu, c'est énorme. <laughs> je suis avec moi-même, je suis dans ouais. l'ordi, je Je parle de moi, ouais. j'écris sur moi, je me vends moi, je fais des statuts sur moi, puis... Des fois, j'ai un tempérament, je me dis, je pense pas que j'ai un tempérament de vedette, moi, j'ai pas ça. Plus, tous les moments de carrière où j'ai eu des gros boosts TV aux affaires de même, j'aimais vraiment pas ça. Mm. Les tapis rouges, tout le monde en parle, j'étais comme Oh, j'aime pas ça. Parce que là, ça devient une game d'ego, ça devient une game de jouer du coup dans en l'entrevue, ça devient une game de. J'étais comme oh c'est peut-être pas fait pour moi. Il mm. Faut juste que je sois assez connu pour, pour continuer d'avoir cette opération-là qui est rentable, puis, puis je vais à mes billets, puis tout est beau. Mais le step d'après, je pense que j'ai pas le... Je suis pas built pour ça. Mm -hmm. Dans la thérapie, ça m'a probablement... <laughs> Nuit sur ce côté-là, parce que je suis pas <laughs> en termes de hey, aimez moi, sinon j'existe pas. Je fais, non, non, genre. Ça va bien, je suis correct. Ouais. J'ai pas besoin de. de le monde s'excuse tout, tout, des fois, excuse-moi, je sais pas, pas t'es qui, je fais pour vrai Genre. C'est vraiment correct. J'ai pas <laughs> besoin que tu le, saches une tu me qui. C'est le genre de télé, ça. C'est le genre de télé qui dit ça. De. Je m'excuse. je sais pas t'es qui, mais... M importe, ouais. ça Je sais, j'ai pas besoin que tu saches t'es qui pour être bien dans ma peau, puis être ouais. bien avec ce que je fais, tu sais. Mais il y a des gens qui comprennent pas ça, puis je suis comme c'est bien correct, tu sais. mm -hmm. que je trouve ça, je trouve ça Aussi, drôle. Euh, bonne chance de connaître le monde aujourd'hui, là. Eh oui. j'apprends des, des fois, je, je tombe sur des comptes Instagram de Québécois. Ah, je connais pas cette personne là qui a un projet. Oh, 226 000 abonnés. Ouais. Fait, je suis en retard. <laughs> ouais. Ah non, c'est fou. Ben, je faisais un meeting un matin pour une émission de TV. Puis, justement, on avait toute une liste d'invités qui ont reçu voir, Tout le monde avait pitché in dedans. Puis, j'étais comme, il y a plein de noms que je ne sais pas c'est qui. Puis, là, ils me disait, ah oh, ben, c'est cette personne-là qui a fait telle telle affaire. Je fais comme, OK, huge, là. Mm -hmm. Je n'ai aucune idée. Puis, moi, je pitchais des noms qui étaient évidents pour moi. Puis, j'étais comme, oh, je ne sais pas c'est qui. Puis, j'étais comme, tu me niaises, tu ne sais pas c'est qui. T'sais. Il y a tellement de monde <laughs> à cette heure que yeah. c'est comme. But Mais c'est pas ça qui est beau c'est Moi, je trouve ça tellement le fun là. Eh oui. que les chemins soient divers ouais. puis que les façons justement. Non, c'est de la Danielle Lemire. On... L'humoriste, c'est Daniel Lemire. C'est ça. Voilà. Tu obligé d'être une vedette pour vendre des billets. puis ben, C'est ça. Il y, 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 y a un écosystème ou des écosystèmes différents qui se sont créés. ouais Il y a une classe moyenne de l'humour. Il y a une classe Il oh, y a une, <laughs> une classe plus pauvre aussi. <laughs> <Pleine> castes, plein de <laughs> casse. Oui. Ouais. pb je vais te poser une question qu'on se fait souvent poser aussi parce que mm -hmm. là je peux enfin la, la retourner de l'autre côté. T'as un podcast avec ta blonde. Ouais. Selon une étude, c'est comment travailler avec sa blonde. C'est le fun! C'est le fun! Écoute, t'es extraordinaire! Tout le monde sait comment travailler avec sa blonde. Ouais, tout le monde me dit comment travailler avec ta blonde, Puis je dis ben là, il faut que je la cache de Thomas. C'est un peu difficile. A <laughs> fait la technique. Après, après vivre à la maison, je la, je, je la verrai jamais. <laughs> C'est trippant parce que c'est vraiment un cerveau incroyable, cette fille-là. Puis c'est une bonne vulgarisatrice euh, en science. Mm -hmm. Fait que j'aime ça parce que moi, je suis un passionné de science de toute façon. Je fais déjà une, un, un, une série de podcasts qui s'appelle Curieux river où genre reçois des des docteurs euh, ouais, des sommités dans ton leur père domaine. Ouais. c'est J'ai tellement trippé quand j'ai vu ça, ouais. c'est beau à vous voir ensemble. C'est un homme super intelligent, extrêmement doux, extrêmement sensible, mais toujours très posé puis mm -hmm. euh, puis j'aime ça, je, la première fois, tu sais, je l'avais fait un déjà avec lui, puis là c'est le deuxième. J'aime ça présenter mon père euh, sous un angle où il shine. parce que moi je connais mon père comme mon père, tu sais. Ouais. Mais là j'ai l'occasion de le mettre dans son élément puis de faire comme vas-y pas puis de le voir être juste comme intelligent, puis comme d'expliquer des affaires, puis je trouve Contable ça le fun. Aussi. Ouais, il était Parti, bon, je là, j'étais super expertise. fier de lui. C'est papa. Ouais, ah, non, était... non c'est super bon, là, j'ai vu ça passer sur TikTok, puis j'étais comme ça, c'est tellement. C'est mignon. Wow, ouais, c'est Je ça cute, c'est ça, puis, puis là, je suis super sauvage, ces commentaires méchants, là. là, là c'est Avec mon père, là, je suis comme, aucune pitié, <laughs> man. Je, je vais te trouver où t'habites, man, je vais te slice à la gorge, là. Décalisse, là. Ah ouais quand les gens leur mettent en question c'est quelque chose qu'il a dit là je fais taille tu connais rien mon Le père monsieur là. Ouais. mon <laughs> père il connaît ça puis toi tu connais pas ça fuck oh. you genre. mais c'est ça pour en revenir à ta blonde selon oui. une étude parle-nous un peu de ce podcast là donc vous touchez des sujets elle elle, elle, est, elle est spécialisée en quoi c'est une docteure en neurosciences okay. et là a fait un deuxième doctorat a fait un postdoc aussi puis a fait un deuxième doctorat en psychologie clinique en ce moment à ouais est bonne en maudit à l'école <laughs> Ça m'impressionne Une mère a un enfant fait un doctorat De la recherche Des conférences Un podcast Un podcast Je sais pas comment Il a fait Elle <laughs> tu tu es... joue au volleyball joue au C'est pour ça Que ça met le papa ouais, en tête C'est vrai Elle joue au volleyball Longtemps très haut. National C'est vrai ah, Good job J'adore jouer au volleyball T'as joué une fois Contre les Allemands pour t'as gagné Ouais Quand même euh, T'as joué contre des Allemands Ouais L'équipe ancien... nationale Non, ou... non, non. non, non. <laughs> Un père et son fils Justement ouais je avec mon père Genre, on était j'ai eu la chance d'aller en Australie euh, quelques fois parce que mon père il a travaillé là bas nice puis les week-ends on faisait des voyages de plongée sous-marine on ah. allait dans des petites îles euh, il y a toute la grande barrière de corail et tout et là il y a plein de petites îles comme à l'est euh, puis on est allé on s'est rendu un année jusque dans une, un autre pays que je connaissais pas du tout qui s'appelle Vanuatu on est allé là pour faire des voyages de plongée. Puis, dans le jour, euh, ou euh, ben dans le jour, on plongeait dans le jour aussi, là, mais après, après la plongée, pour se détendre en fin d'après-midi, on allait sur la plage autour de la piscine. Puis, là, à cet endroit-là, il y avait un gigantesque filet de volleyball. Puis, j'ai toujours été un peu plus artiste que sportive. Mais oui, c'est une athlète. Mais, j'ai vraiment. Je suis quand même bonne dans le sport quand je m'y mets. Elle, prend toutes les, elle a des mains parfaites. Puis, elle lance toujours les, les affaires à la bonne place. OK. Ouais. vraiment, vraiment, ouais. Quand ouais. tu t'appliques, quand... t'es bonne. Même ouais. pas. Elle s'applique pas. Elle elle, elle, nonchalamment à la maison, il me pêche des affaires. Je suis comme tout, ouais. tout, 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 j'attrape. Et, et quand, elle accouché, <laughs> ses, euh, quand elle a accouché, puis ils prennent ses. Quand elle a accouché, puis ils la mettent sur plein de machines, puis ils calculent son cœur. Ah, vous êtes une athlète? Non. Elle a vraiment un rythme cardiaque d'athlète. Elle a une force d'athlète, une ouais. athlète. À chaque fois que j'arrive dans un cabinet de médecin puis qu'il me plug, pour quoi que ce soit, il me dit tout le temps quel sport tu pratiques. Puis je suis comme mm -hmm. je vape. <laughs> ouais, le vaping, le vaping <laughs> Je bois de vin blanc. Je m'envoie aux Olympiques de mer. <laughs> Bref, moi puis mon père, on a joué contre un père et son fils allemand. Puis tu sais, comme t'sais, Vraiment comme caricature. Vraiment caricature, merci. Vraiment bâti, six packs, sportif, puis tout. Puis là, mon père est comme, « Oh, ben Puis je sais pas pourquoi, toutes mes services rentraient là, comme une tonne de ah, ces journées-là, tu te sens invincible. J'étais aux anges. En plus, j'étais la seule fille dans le jeu. Puis j'étais juste comme... C'est une des choses dont je suis le plus fier de ma vie. Ah, la f... game de volleyball. Ah, La ça. game. <laughs> la game. Puis elle, elle s'est dit, je ne plus jamais jouer parce que parce je veux jouer avec l'illusion que je suis une championne. Ben oui. Ah, il y a des affaires dans le même mot que j'en ferai jamais parce que j'étais comme, j'ai une ça. Des là, c'est touchent On <rire> voilà, touche plus. On Genre, on, ils mais... touchent plus là. Le wakeboard, là, j'ai levé la première fois devant <laughs> la belle famille. Puis tout le monde était comme, tu pas supposé faire ça. Puis j'étais comme, mmh. c'est fait. Ouais. ça mais non, vous pratiquez-vous. Non, non, mais c'est ça. Allez-y, vous autres, là, vous n'êtes pas des naturels, <laughs> Mais donc tu joues au niveau national aujourd'hui. Good job. Oui, on jouait au championnat canadien et tout ça. Mais moi, moi, en fait, je fais 5 pieds 10, fait que je suis pas, pas grand. Mais j'étais libéraux, c'était une position défensive. Là. Fait que je faisais juste de la défense. Tu ramasses les ballons. Je ramasse toutes les balles. Moi, je me mets devant les attaques. Ouais, ouais. Pis, le monde bloque, puis je vais dans l'angle, puis s'il frappe à côté, c'est moi qui remonte. Je cours, puis je shot, puis je ramasse un ballon impossible. C'est ça ma job. Je fais pas de service, je fais pas d'attaque, puis tous mes amis font 6 pieds 5. Mon team d'enfance, c'est tous des Haïtiens de 6 pieds 5, 6 pieds <laughs> 6. <rire> Ils sont super hauts. Ah, amen qui sautent comme ça. Il y avait, avait le filet au nombril. C'était ridicule. Quand on jouait Benjamin, là, comme on commençait, le secondaire 1-2, les gars sautaient, il y avait le net au nombril. Wow. Personne n'avait aucune chance. C'était ridicule. <laughs> c'est qu'on a joué jusqu'à mi-fin, vingtaine. Là, Très C'est cool. trippant le voler. J'adore ça. Ouais. Je connais personne qui joue au volleyball qui n'a pas tripé. C'est un. C'est ceux qui trippent, ceux qui jouent, la, ils, ils se font. Ils en, ils ont la piqûre. Ouais. Puis une des, une des hypothèses, un c'est très, très très le fun de jouer. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est vu que c'est un sport que personne ne comprend. Il n'y a pas de pression des parents. Ah parce ouais. ouais. Ça, ça ce qui se passe. Et aussi, mettons Walker, c'est un, un moindre talent. Si tu patines par l'arrière avant l'âge de 11 ans, ils font. Ça se fait la ligue? Il y a de l'argent au ça. bout. Ah oui, les balles, y pas les pas balles. Il n'y a pas d'argent. Même quand tu es dans l'équipe nationale, tu sais, jeune un gars de mon équipe qui est parti jouer pour l'équipe nationale du Japon parce qu'il avait la double citoyenneté. T'sais, même là-bas, il y avait un salaire bien correct. Puis était dans l'équipe nationale japonaise. tu t'es comme, bah, ça va être ça. Là. Ouais, ouais. <laughs> Bonjour, Anne. C'est fun. Bon, en... T'as une liberté. Ouais, non, non, c'est trippant. Là, ton père est juste content. Mais ben, Pendant qu'il fait ça, il ne fait pas de craques ni de C'est crimes. Ouais, c'est ouais, ça. Oui, Moi, mon père, non, il finançait tout ce que je voulais faire. Là. oui, il faut faire ça, on fait ça. Tu apprends à interagir avec les autres, à travailler ensemble. Ouais. Il y a plein d'avantages à ça. quand tu te trompes, tu te crier après. <laughs> comme dans le vrai monde. Ouais. Mais c'est ce <laughs> qui est génial du sport. Surtout qu'il est aussi difficile du sport. Tu tu sais, le sport, c'est. Une bonne euh, micro... Ça te prépare pour la vie? Mais non. Parce que ce qui se passe dans le sport, tu peux pas le faire au bureau. non, ouais, non. Comme dans le sport. Et quelqu'un qui a dit ça, c'était gén... un professeur de la NFL qui avait dit, le plus difficile de passer de la NFL à la vie de tous les jours, c'est dans la NFL, c'est tout le temps de la faute à quelqu'un. Et il y a des vidéos. Ouais, ça, oui. Tu veux dire, c'est ta faute. Mais oui, on indéniable. le voit. Ouais. Dans la vie de tous les jours, c'est la faute à personne. Ouais. C'est tough. Ben, ou aussi, l'affaire aussi quand, quand, tu tra quand tu travailles en équipe, c'est que Mané, ça va être de ta faute, mais Mané, ça va être de la mienne. Mm -hmm. Fait que tu sais, sois indulgent aussi avec la il personne dit, qui fait une il erreur. Il dit exactement ça parce que si tu te fais crier après, tu sais, que trois jeux plus tard, un autre va se faire crier après, oui. c'est pas contre toi, c'est pour l'unité fonctionne, il faut que tu acceptes que chaque individu. Mané soit... va faire une erreur. Ouais. Et qu'il soit, pour que l'unité monte, il faut que chaque individu soit responsable. Pour Être responsable, ça si fait partie. Moi, de... au collégial, je suis une des seules personnes qui s'est fait sortir du gymnase avec un carton rouge et avec expulsion. OK. Parce que j'étais rendu coquille. là. Oh! Drôle. Parce que j'étais allé dans mon cégep il n'y avait pas de 3A. Puis nous autres, on était tous niveau 3A. Fait qu'on a fait, ben, c'est à côté de la maison, on va tous aller à ce cégep-là, on va jouer 2A, tu sais. Fait qu'on dominait, mais on était là comme la grosse tête là. fait que moi j'étais cocky puis le ref il nous faisait chier puis je faisais des calls puis il est descendu il a essayé de venir se battre avec moi wow. le ref de volleyball oui, je respecte ça, je respecte ça. Ouais. Puis, il de venir se battre j'ai essayé j'ai essayé d'aller <laughs> me battre ça. avec au volley fait là. T'as bien fait. Puis, Il faut pas faire par le ref du volleyball. Non! Il y a le ref du volleyball du Cégep de a tu laisses pas parler mais de ça. C'était un non. nasty loser, le gars. J'imagine. Les autres refs... Fais-tu sont... ref ton volleyball 2A au Cégep? Mais c'est ça. Non. Ils sont non. venus me voir, les autres refs, pour me dire, genre, hey, pour vrai, on l'aille tout, anyways, genre, c'est cool. Tu vois? Ouais? Mais... Il y avait raison. Oh. Il y avait raison. Oh. Ouais. Non, mais moi, j'ai un ami qui ref était ref, ref là, au baseball. Gilbert Rose, là. Il refait au Cégep. Il aime il aime les jeunes. OK On l'avait compris, là c'est bon, bravo. Fait que trois personnes l'ont pas compris. Là il a fait ah ouais, il faut penser à tout le monde. Tu, -tu compris de euh, parce que c'était un, un pédophile, ça. Ouais. Ouais, OK. Ouais. <laughs> ouais. OK. Oh mais là tu right. tu joues dans le bon ballpark là, c'est <laughs> sûr là. c'est ça. là. <laughs> On ouais. <Ouais>, je comprends. <laughs> ben oui, mais oui, moi j'ai un ami qui était ref au baseball. Puis il s'est fait là tellement gueulé dessus par des papas là, des papas pas ça contents. Ça existait, là? Ça je pense pas non. Les ça jeunes, vraiment les rough. jeunes homosexuels qui nous écoutent, qui ont un fantasme de daddy, <laughs> aller refaire au baseball. Ah ouais ouais. ouais. donner des mauvaises décisions. C'était une prise. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça, Alain Voilà. Aye. Aye, moi je peux plus jouer au baseball. Là. La dernière fois j'ai joué genre je trouvais ça tellement plate j'ai joué avec des amis dans un parc le Michel Sigouin, puis tout, tout Frank Grenier trip, tout, tout sur le baseball on joue une game amicale moi j'étais comme ok j'y vais il y a une coupe d'années, puis je fais je fais bat fait que là, je fume un bat je suis au premier but puis genre là la balle est frappée puis je suis comme oh shit ok man la balle est frappée pars à la course mon gars tu vas scorer un point ça va être malade tout le monde va capoter je pars à la course passe le deuxième là, je fais ok j'ai le temps passe le troisième ok j'ai le temps Genre, je cours vers le marbre, je mets le pied sur le marbre, là, je suis comme, yeah, je célèbre. Et là, je regarde ma main, puis là, je fais, j'ai une mythe dans la main. Oh! Là, no! c'est ça. Fait que j'étais en défense, puis genre. C'était extraordinaire. Tout le monde me regardait courir avec ma mythe, puis faisait, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis je m'en suis rendu compte au marbre, puis là, tous mes chums étaient comme, mais quel ostie épais, genre. Oui, yeah. C'est incroyable. Reste... Puis un donné, tu te dis c'est un bit. puis le oui. ben non, si tu y penses il, vraiment. Il est juste mail. Oh, oui, je m'en suis rendu compte en célébrant les mains dans les airs de yeah, yeah, oh, fuck, 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 fuck. Mais c'est du bon stock que as fumé. Ouais. C'est de l'excellent stock pour oublier ta mythe. Ouais. <laughs> Oublié Dans quelle équipe que t'es? Ah, c'est extraordinaire. Il se passe jamais rien, surtout dans ces games-là. -là, c'est lent, c'est lent, ouais. c'est lent. Pas mané. c'est lent, mais le monde ne savent pas jouer, c'est encore. Écoute, je tombais dans la lune, t'as mené. Toc! Ah! <laughs> <laughs> c'est comme ça j'ai <laughs> quelqu'un qui tire au revolver. Juste courir, exact, ouais. Tu devrait être ça. <laughs> go! Go! par. Ah, ouais, t'as le temps d'oublier. Oh, Est-ce que c'est le moment de lire les histoires de d'autres gens, mon amour? Quoi? Je, je peux-tu te demander une question? que oui. tu veux, même. ça me mange depuis le début. Le, le euh, Vas-y. Comment ça que tout le monde à ton école savait que ton père avait juste une couille? Ah oui. Il le disait. Ben oui, ah, ton mais père le disait au monde? Non, moi, je le disais au monde. Ah, c'est son... <laughs> <laughs> Ton père, il venait de chercher les cousins. Il est où le petit Thomas vous dire que son père a juste une couille? Il est arrivé! <laughs> Non, mais attends, pourquoi tu le disais à tout le monde? Je pensais que c'était drôle. Attends, mais non, ok, mais je vais <laughs> t'envoyer la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que Thomas dit pas? Ouais, c'est ça, là. Tout, c'est vrai. 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 <laughs> ah, mais c'est vrai que c'était une superbe question. Le segment des dates est une présentation d'Héros et compagnie, mon amour. Héros et compagnie est un sex shop. T'as envie de te masturber ou t'as envie de pimenter ta vie sexuelle? Eros et compagnie y ont tout. Et ici? Merci. Ils ont toutes, et avec le code promo COUPLE15, tu as 15 de rabais sur tous les achats. T'as envie de te masturber, va chez Eros faire ça. Ouais. Ou as envie de faire l'amour ben, en fait, différemment. Tu vas chercher un item chez EROS, puis tu vas te mettre un vas-y. Ne va pas te masturber <laughs> <laughs> au EROS et compagnie en criant ⁇ Couple 15 <laughs> Couple 15 !⁇ Non, non. Couple 15 ne fonctionne pas euh, si tu es monoté par la police. Je trouvais que, est... que la nuance était importante. À la part. <laughs> Très importante. Alors voilà. Un euh... petit cadeau pour toi. Ah, Est-ce que je le déballe je peux, Si tu veux. Ben oui, je vais ou le déballer. Le garder et c'est ce le segment des dates. Les gens nous écrivent au Couple ouvert podcast à commercial -gmail .com. des dates et on rit ensemble. C'est incroyable. OK. Ça, c'est du lubrifiant en base d'eau. Ça, c'est le fun. Ça, c'est pratico-pratique. Ouais. Ça, c'est Sûrement quelque chose. Un tube. T'insère ton pénis. Ah ouais? oui? Oui. Euh? Parce que t'as un pénis. Oui. C'est-tu une crasseuse, genre? Mais je pense qu'il faut que tu peux Convaincu. le sortir complètement. Ah, ok, faut que je le sorte. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. What the fuck? T'es peur. <laughs> voilà! Ah oui, ouais, tu mets ton pénis là-dedans? Ouais, ouais. J'ai déjà essayé ça une fois, puis. Parce que, OK, je peux-tu vous raconter Ben, ben oui, on t'écoute! J'ai écrit un pilote de série qui s'appelait « Pas de panique », où c'était les pires gens qui donnaient des conseils de sécurité. Puis là, mon idée... Je fumais du weed dans ce temps-là. Et là, mon idée, c'était de... Parce que j'avais une ligne qui disait, « Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas moins important de sauver les gens laids. » Et là... Si tu veux pas faire le bouche à bouche, il y a des options. Et moi, l'option que j'avais, c'était de prendre un débouche toilette, puis de prendre une bouche comme ça, tu sais, ça une crosseuse, puis euh, de le mettre au bout, puis de juste comme siphonner la bouche <laughs> de la personne, c'était ça le sketch. Fait que là, j'ai magasiné chez roue-mère de serre, puis je trouve mon siphon, puis je cherche une façon d'attacher la bouche, puis j'avais acheté la bouche, j'avais acheté le vagin, c'est dans ma boîte d'accessoires, puis là, le projet n'a pas lieu, tout ça. Puis là, un je fais comme, et je vais l'essayer. Tant qu'à avoir ça à la maison. Tant qu'à avoir ça. Fait que là, je chez nous dans mon salon. Puis là, j'essaye. Puis ça fait un peu mal. Je me dis, l'eau. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je fais, c'est bien frette, cette affaire-là. mais dans l'eau chaude. Puis là, j'essaye de. <laughs> Puis là, je finis par venir. Puis je fais, comme, ah, j'étais pas bien. J'étais comme, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai pas compris. Puis ma mon... graine, elle sortait de l'autre part. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, c'est pas se poser, ça. Ou je sais pas trop, là. T'es Mais, mais j'étais pas bien. Puis là, je pars à rire parce que je réalise que je suis debout à, dans mon salon avec, avec une espèce accessoire. de patente, de <laughs> boute, puis je, les pantalons à terre, puis je fais Mais tu c'était quoi je viens de vivre là genre. Et j'étais gêné, puis je riais en même temps, puis j'ai content à Christine Morancy. puis elle m'a dit une belle leçon que j'ai trouvée intéressante Elle m'a dit T'as pas à être gêné là de ça il faut pas que tu sois gêné. De, de toi-même. D'essayer de, de, des oui. affaires. J'ai fait oui. comme, tu as raison. Oui. Et moi, j'avais genre l'espèce de. cest c'est loser? comme, il oui. n'y a rien de loser. C'est ton corps. Amuse-toi. Si tu veux oui. recréer cette expérience, coupe le 15. Oui. Mais tu vois, avec celui-là, il, il est pas ouvert de l'autre bord. Fait, le Par contre, pénis, ça, va pas vient, ressortir ça vient de de pas écouter. non plus des conseils de Christian <laughs> Non, ouais. <laughs> Mais tu peux, si tu veux, tu peux l'appeler après avoir utilisé celui-là oui, aussi. Non, non, on dirait un une écrit en DM à Christine Morancy. Mais un... Je comprends ta vibe. Moi aussi, quand, la première fois que j'ai utilisé des objets, j'étais comme, pourquoi, pourquoi? Ouais. Je, puis, un moment donné, j'ai compris. Il y en a quand même qui sont efficaces. En tout cas, pourquoi Ouais, moi, je n'ai pas, pas une... Je n'ai pas, pas expérimenté beaucoup. Sinon, je là... na, je n'ai trop vite pour me rendre aux objets. <laughs> je comprends fait que tu sais j'avais ma séquence de mouvements puis là à un moment donné je fais ben infini puis moi je suis venu fait qu'on n'a pas y a pas de moment où on fait ben on sort tout ça tu sais comprends puis un moment donné j'ai pris des antidépresseurs pendant une coupe d'années. puis là j'étais comme bon là y a rien qui... ça se passera pas fait j'ai besoin d'aide peut-être. « on essaye n'importe quoi là <laughs> puis là c'était ouais. drôle c'était juste comme toutes les idées caves j'étais comme go on fait ça un moment je viendrai pas jouer à crise pour toi le fais là je <laughs> à NHL avec une fille en même temps qu'on qu'on couchait ensemble les deux on jouait un contre l'autre Wow! On faisait un amour. Ouais. Wow. Parce que là, on faisait l'amour, amour, je venais pas, puis elle était contente pareil. J'ai dit Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, elle a dit, on jouait à une chelle, je fais Ah, c'est bon, c'est qu'elle s'est mise en doggy avec sa manette de même. Puis là, moi, j'étais en arrière, puis là j'avais ma manette, puis on jouait un contre l'autre pendant qu'on continuait de coucher ensemble. Puis ce qui était drôle, c'est quand les périodes... Il y avait des coaching advice à NHL. Genre continue de mettre de la pression. <laughs> genre euh, belle énergie. Puis genre pis ça fitait avec ce qu'on faisait, Puis on broyait de rire. Là. Mais c'est wow. dommage ben. Ouais. On a ri, bon là, ça. mais rire là. C'est exceptionnel ouais. ça! Wow! Une belle activité. Vive les antidépresseurs, pauvres là. mais ça, ça sort d'une dépression. Ben oui, parce que tu te sens comme un dieu, puis la première fois de ma vie, j'avais pas peur d'avoir du sexe, Puis, j'avais pas peur de trop vite. Uh. Fait que là, j'ai comme découvert, là, OK, c'est quoi baiser plus que 20 minutes? Hein? Mm -hmm. ouais. Là, j'étais comme, oh, OK, puis là, ça peut devenir ça, puis ça, c'est pas grave, puis là, tatata, ta, ta, puis là, tu fais, wow, tu sais. Mm -hmm. C'est triple, là. Très cool, ouais. Ça t'a permis de, de toucher à autre chose. Exactement. Très bien. On va lire des histoires de gens qui douche, touchent à d'autres choses. Oh yeah! Oh yeah! On pense ça? Go, ma chérie. OK, le, la première date, c'est le même gars qui nous a écrit la date sans ponctuation lors de l'épisode avec Étienne Boulay. Génial! Fait la date d'inceste? La date que j'ai rappée, la date d'inceste. Génial! Oui. Oh mon Dieu! Oh, il a fait des paragraphes! Oui, parce que là, regarde, il dit à la dernière date avec les dents de vampire, cette soirée, j'étais chaud, raide, haha, Mais quand il nous a écrit. Là. Non, ça, on, avait, on avait compris. C'est pour cela que j'ai écrit en rapper. Il n'a pas écrit en rapper. Non, c'est ça, c'est a tout écrit. C'était tout un, un, un long paragraphe sans virgule ni. point. Oh mon Dieu, c'est soufflant ça. C'était incroyable, fait, je l'ai rappé. j'ai ouais. il dit PS, le rap de Stéphanie, haha. Fait, je pense qu'il a trouvé ça quand même OK, qu Il était content, il a écrit. Je vais vous raconter ma date qui n'est pas ma cousine avec des dents de <laughs> vampire. Parce que la dernière fois, c'est sa cousine avec des dents de vampire. Oh mon Dieu. Non, non je oh, sais, les ouais. gens, ils vivent des choses c incroyables. Grandio c'est grandiose. Ah, OK. Puis là, maintenant que tu fais le podcast aussi avec ta conjointe, selon une étude que vous touchez des sujets sensibles de la personnalité des gens, puis mm -hmm. tout ça, tu peux peut-être commenter là, avec un axe de. Oui, je suis. C'est mieux, si mieux si tu le juges. <laughs> oh ouais, c'est mieux même que c'est de l'aider. Il trop tard. <laughs> oh. J'ai commencé par lâcher les sites de rencontres et aller de l'avant par moi-même alors que je me promenais en après-midi. C'est pas facile, Oh, oh Non, oh, oh, y a pas plus de ponctuation. là où il n'y a pas plus de virgule! Il dit que j'étais rien », mais c'est pas mieux. Là. Y a juste, il y a de la misère avec les virgules. <laughs> okay. Mais il parle de même dans la vraie vie. <laughs> Hey salut, comment ça va? Moi la dernière fois que j'ai pris <laughs> le train. J'étais à Bois-Briand, et à Bois brillant c'est un endroit où il y a des beaux arbres. Et quand il y a des beaux Mais arbres, moi je me sens bien. Oui, on, on il en connaît, j'en connais. Ouais, je pense. Ouais. <rire> oui. <rire> OK. J'ai décidé d'aller à la piscine, donc je me prépare et prête à l'action. Je me rends Donc, compte? Il compte. a plein d'éléments que tu peux... Tu veux dire dont je me prépare, comme bien sûr que tu te prépares pour la piscine. Tu ouais. peux nous mentionner que tu te prépares. Bref. <laughs> bon. Je me rends compte, rendu là-bas, qu'il y a bien des femelles. Des femelles. Des femelles. Oh, C'est es, génial. Tabarnak. C'est <laughs> génial. À part ça, il est sobre. Il hein? a mangé, il <laughs> a des vitamines. Il a bu de l'eau. Des femelles. Des femelles. Surtout celles avec un bikini bleu et des cheveux blonds. Elle est tombée dans son oeil. Oui, Une comprends. femme a tombé et je serais prêt à me noyer pour qu'elle vienne me sauver. Bref, je vois au loin mon meilleur ami. Que les femmes adorent les hommes qui ne savent pas nager. Ouais, c'est ça. La <laughs> vulnérabilité, là. Et qui savent pas. <laughs> OK. Donc, il vient me parler pour me dire Hey, as-tu vu la belle blonde là-bas m'a fini par avoir un semi-croquant. Son objectif, c'est un semi-croquant. Ouais, il... pas plus. <laughs> est il se faisait de artispresseurs, lui Lucie. C'est ben, ça. C'est quoi un semi-croquant? Hein? C'est une, une demi-érection. Ah, ouais. parce qu'elle est si belle. Moi, de mon bord. Elle est tellement belle, je bande à moitié. Elle a tout un compliment. C'est <laughs> ça, là. <laughs> Moi, de mon bord, je la regarde et je me dis aucune chance. Qui lui bande plus, lui? Il fait juste dire aucune chance que je bande. Il est intimidé, je sais pas. Tout d'un coup, mon meilleur ami vient me voir après sa semi-croquante. Puis il met le, le petit emoji le X, qui sourit, là, tu sais, comme le bonhomme qui fait... Euh, comme ça. Je sais pas comment l'interpréter autrement. Okay. C'est bien fait. <laughs> je sais pas. Je suis sûr qu'il y a une manière de l'interpréter autrement. Ouais, je suis le... sûr que c'est possible. Il tu fais un studio, ils vont yeux. trouver une manière de l'interpréter <laughs> ça... autrement. Je sais pas comment l'interpréter. <laughs> OK, son ami vient. Oui, après avoir vu ça, ça, ça Je viens d'avoir mon semi-croquant ». Imagine Daniel Fichot qui te coach, là. Ouais. Imagine. En ligne, ça passerait pas. Non, ouais. OK. En me disant, t'es pas game, t'es pas game. Donc, moi, l'est pas game. Ah, tabarnan. Hein? J'aime ça. OK. J'irai la voir. Alors, je pars vers elle et lui demande comment ça va. Et elle me répond. Je me dis dans ma tête, yes, ça va bien. <laughs> elle m'a répondu à comment ça va, Chris, dans la, le pied est dans la porte. Genre, elle, a, elle, elle connaît les codes sociaux de base. <laughs> Il y a avec les chiens qui disent comment ça va, là, gamin Qu'est-ce que madame veut? <laughs> et on finit par jaser et avoir du fun. Pour Thomas, je tiens à. À préciser, le fun vient plus tard. Ha ha! Je l'ai tellement ce que Le fun vient plus tard. Ha ha! Là, je respecte ça, ça c'est bon. Oh, le fun vient plus tard. Ha ha! <laughs> mais on le sait que ça s'en va là. là. Eh ouais. Tu commences, hé, hey, j'ai une belle fille blonde, oh. puis ça finit euh, avec son cousin, bref. Alors, cette blonde intelligente et moi, nous parlons. Elle me parle de ses intérêts et tout et me dit "As-tu un numéro de téléphone J'ai dit As "Oui." "As-tu un numéro de téléphone Ça <laughs> ouais, c'est pas génial. C'est déjà bon qu'elle a répondu oui, je vois bien à la As question. "As-tu un numéro de téléphone As Tu ça toi un numéro de, un ouais, numéro de téléphone ouais. en est un. <laughs> Je lui dis oui et je lui donne et elle me donne son numéro aussi mais nous avons aucun téléphone sur nous. C'est ça son tapis piscine. C'est ça. Alors il dit comme un cave, je bon l'ai oublié. Moi, je... Bref, je pars chez moi de mon côté et elle de son côté. Et en marchant jusqu'à chez moi, je disais son numéro de téléphone pour ne pas l'oublier. Bien sûr, rendu chez moi, ma mère me parle et donc j'oublie son numéro. Mais je dis Mais je lui ai déjà dit où j'habitais, mais sûrement qu'elle s'en souvenait plus aussi que c'était juste un rêve. <laughs> Pis hey Je sais pas il habite chez sais, sa mère. Ouais. Je sais pas quoi te dire moi, ça, ça. veut, veut dire qu'il a donné l'adresse. Il a donné l'adresse de, de, de sa maison où il habite avec sa mère. Oui. Ouais. Oui. C'est un no fuck ah. zone ça là. là. OK. Ah, oh, OK. Là il est dans sa chambre. Je sais c'est un paragraphe. OK. En soirée. J'essaye on part. En soirée, j'étais tranquille dans ma chambre en me touchant à, à elle, elle. et geaimait en même temps ben oui oui il un... geaimait comme oh. c'est quasiment c'est en soirée j'étais tranquille de ma chambre en me touchant en pensant à elle et je gamais en même temps ben oui un homme peut faire deux choses en même temps Ça, un et ma gars, mère oui. cogne à ma porte je lui réponds je t'occupe elle me dit ben il y a quelqu'un pour toi alors je lâche tout je lâche tout même la sauce etc. <laughs> Et j'ouvre la porte de ma chambre. « Qui voilà ?» La blonde de la piscine. Elle me dit « Hey !» J'ai fait douze maisons pour te retrouver. <laughs> Moi, je suis touché par ses paroles. Je deviens tout excité. Et elle me raconte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour sortir. Donc, on a décidé d'aller marcher dehors pour plus apprendre à nous connaître. Et je me dis « J'habite à trois rues de chez toi. » Elle me dit « Ouf, ça va être chaud. <laughs> » Et après cette conversation, nous avons décidé de nous voir pour une deuxième date. Et le lendemain, pouf! Les piscines décidaient de fermer. <laughs> et, et nous avons très, mais très chaud. Et elle me raconte qu'elle a très chaud et prendrait bien de l'air frais. Moi, de l'inviter chez moi. Et j'ai dit, j'ai de l'air conditionné. <laughs> C'est J'ai très... Tout le paragraphe, il y a... Aucun point, pas aucune virgule ouais. encore. C'est bravo, mon amour, es, c'est très bon. Elle me dit Hey, écoute-toi un film. Ah, ben cool. Ça va passer le temps. Et après quelques attouchements précis, je me dis Yes, on passe à l'action. Après avoir enfin fini. Enfin. J'aimerais juste souligner il mentionne qui marche. Il mentionne que les piscines Sont disparaissent. Fermées. Il imagine qui il marche. Il nous explique il comment. Mais, il mais, mais la, la baisse, il ça... passe par-dessus. <laughs> Comme s'il avait ouvert une porte. Le but, c'est compter ça. C'est ça qui nous intéresse. Pas hey, les... l'horreur des piscines à Trois-Rivières. Il nous, nous a parlé de quand il se branlait en game. Oh, ah Ça, on su. Ça, qui se branle en game, ça, hein, on au courant. J'ai la couleur du bikini. Hey, oui. Mais je sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est jamais arrivé. Oh! oh, oh. C'est fait de call-out. Oh. Ben, on, dirait, on dirait un gars de, de 12 ans qui décrit l'interaction ah, avec son, son euh, euh, babysitter qui a un crush de Ah ouais 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 ouais, ouais, ouais 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 ouais. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait en fin de semaine J'étais avec une fille. <laughs> ah, il a, a vu une belle fille à Psyne c'est tout imaginé. Ouais ouais c'est comme quand tout le monde a un, va un vagin sauf toi puis t'essaies de fuiter dans le gang ils sont comme ouais oh, moi aussi je l'ai déjà vu là, pis là comme... <laughs> puis là c'est comme <laughs> puis là tu parles comme... <laughs> puis là tu parles puis là t'es comme puis tout le monde sait que tu bullshit là <laughs> c'était rose ça rouge. sent fort OK. <laughs> après avoir fini elle reçoit un <laughs> appel il lui dit faut faut que tu rentres non 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 no. c'est mon chum à moi de lui dire, « Hey, t'es un chum depuis quand? » Elle me dit, « Ben, depuis sept ans. » Moi, mal à l'aise, je me dis, « Ben, ça a été, été chrissement bon. » C'est est, est, est ça qui est écrit. c'est ça. Oui, je comprends. Après ce dimanche bien né arrosé. C'est écrit pour bien ça. Bien né arrosé. Ben, après ce dimanche bien né arrosé. Elle me reparle trois semaines plus tard pour m'inviter avec ses parents à la plage. Moi qui dis, « Ah ben, pourquoi pas? Hey » Et là là. Qui cite avec ton chum, elle dit non. Toi, moi et ma famille. Ah oh ben ok. C'est incroyable comment c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai la publier sur le groupe. Quelques heures après être sur la plage. Déjà ça c'est un anglophone. Comme quelques heures après, après être, être, sur être sur la plage. plage. Ben oui. Peut-être. À... Quelques heures après d'être. Non, c'est mal dit. À... Quelques heures après d'être sur la plage. Ouais. Oui. Quelques heures après d'être sur la plage, <laughs> elle me dit "Hey, allons faire un tour de pédalo. Il y a une forêt entre la plage et la rivière." Bon, OK. Nous partons au loin. Attends, quoi Il y a une forêt entre la plage et la rivière Ouais. Ouais. What the fuck Je vois dire. Bah, il doit y avoir une petite île like, avec une petite feuille. Un spot où ce qu'on peut être tranquille pour fourrer. là. C'est ça que j'entends. Je ah qu ça. Oui. ouais. ça aurait été mieux. Mais c'est peut-être là qu'on s'en va là. Donne-nous une chance. Ben, OK. Nous partons au loin, on a décidé de se mettre toutes nues. Alors on le fait. On le fait-tu ici? À moi de lui répondre, hmm, pas le choix. Même s'il n'y a même pas 4 km, il y avait un vieux monsieur qui faisait du pédalo au loin. Mais 4 km. Même pas 4 km! <laughs> C'est loin, 4 km, là! J'ai fourré à côté de gens qui étaient à moins de 100 mètres! Et personne s'en est rendu compte là. Il était à seulement 4 km. Je, rien. Je le sais! Seulement 4 km! Tu sais, tu vois la courbe, oh. la courbe de l'horizon qui commence à curver. Tu sais que le. Le vieux monsieur prouve que la Terre est ronde tellement il est assez loin pendant que tu oh. four. Oh. Okay. Je vais oh. répéter ce bout-là. Ah pas le choix, même s'il n'y a pas 4 km, il ah. y a un vieux monsieur qui faisait du pédalo au loin. Ah oui. Et ses chalets sur le bord de l'eau avec des grosses vitrines. Ah, pas des, des, des vitres, non, des, des vitrines. Des vitrines. C'est un commerce, mais ah Oui, C'est des, des vidéos le du lac. Like. Des... <laughs> Trois petits points. Elle me dit, c'est plus excitant comme ça. Donc, moi qui se dis, elle a ah, un chum, plus elle aime le plaisir, ben go, rien que lui à vivre. Fin. <laughs> Elle aime le plaisir. Elle aime le plaisir. <laughs> Contrairement à ceux qui aiment le malheur. Qui c'est qui aime pas le plaisir? C'est une excellente Oh question. mon dieu. À part ça, c'est même pas une dette. Tu sais, c'est un gars qui se vend de fourrer Ouais, c'est ça. <laughs> c'est ça, j'allais dire. J'ai comme, hey, j'ai fourré. OK? <laughs> ouais, c'est ça, j'ai fait ça. Ah, continue à <laughs> juste! T'as juste, des petits rires. Amen. Moi, j'écris cette histoire-là. Tu as pris le métro, t'avais une fille qui avait un beau sac à main ou quoi? J'ai envie de me pendre. <laughs> J'aimais ai ça aller sur une autre. Ben oui. Ah, j'aimerais ça lire moi aussi. Ah ben, oui. ben vas-y. Ah non, mais non, y mais y tu en peux l'aller ça. Et eh, pas là, OK ça c'est du gros bloc là. OK, ça ça ne non, dérange pas. Bonjour à vous deux et l'invité. Et toi, ça. Bonjour. je vous remercie tout d'abord de m'avoir permis de renouer avec ma sexualité sans tabou. Nice. Voici deux histoires, une erreur et une recette pour mettre un baume sur les autres histoires. Le gars a des problèmes non résolus et moi aussi il faut croire. Tout le monde, tout le monde a mmh. des problèmes. Faites-vous-en pas. Je fait dis, moi, je suis résolu. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis complet. Moi, ce que j'aimais, c'est quand je voyais Stender dans le temps, genre, euh, gars avec un passé réglé seulement. Ah ouais. Moi, moi ce que ça m'envoie comme message, c'est, hey, dans cette relation-là, on va juste delay mes enjeux à moi. <rire> genre, <rire> come clean. Ouais, toi, tu es comme clean. Toi, t'arrives direct, puis moi, ma c'est toi. Je fais la connaissance de ce gars via un groupe de rencontres sur Facebook. En fait, il avait liké ma présentation. Je lui ai écrit sur Messenger et trois semaines plus tard, il m'a répondu. Il était plus jeune que moi, mais semblait quand même placé dans la vie. Après avoir échangé quelques temps sur Messenger, on décide d'aller faire une randonnée pour se rencontrer et jaser en personne. Ça, c'est balleur. Une randonnée, randonnée c'est long. Là. Oui, puis. Ça fait ça, ça fait ça, ça, pandémie. Ouais, mais ah. même pandémie, moi, c'est. Ben, non, je t'en en couple, mais c'est café. C'est 15 minutes. Moi, ça me prend un out vite. Tu t'embarques pas pour 4 heures avec quelqu'un que tu sais pas. Je comprends que tu t'en vas seul, pas au même. Mont Saint-Hilaire. Ouais. Pas le temps de monter mon Ça prend une porte de sortie, ça prend ton parachute quand Avec nos horreurs, on a fini par se rencontrer un samedi matin à 7h30 au pied de la montagne. Tabarnak. De fou, respect. Ouais. Wow. Alors qu'il pleuvait finement une fraîche, journée d'automne. Oh. Déjà, ça s'annonçait bien. Non. Ouais, il pleut la journée de sa randonnée. <laughs> Ça s'annonce pas. Ah, oh, mais je pense qu'il est sarcastique. Ah. La rando a duré deux heures et demie et j'ai dû parler pour être généreuse. Un gros 15 minutes là-dedans. Ah. Ouais, classique. Il me contait toutes les drogues qu'il avait déjà consommées. <laughs> Sa vie de jet-set du temps qu'il était dans une grande ville à sortir dans les bars et à sniffer de la coke sur le cul d'une pute, c'est à peine une métaphore. <laughs> en coupant la ligne après être arrivé en limousine, vous voyez le genre, il m'a aussi dit qu'il avait été toxicomane no shit, puis qu'il avait réglé son problème en devenant alcoolique. Super. <laughs> Ça c'est bon. Je, je connais ce gars-là. Tu le décris tellement bien. Je l'ai rencontré souvent. Je plus. Je fais, mais il y a un grand joueur de football, Lawrence Taylor, qui est déjà dit journaliste. Je suis plus alcoolique. Je fais juste boire de la bière aujourd'hui. Wow. Mm. Mais ce gars-là, je l'ai rencontré plein de fois. Oui. C'est que moi je fais. Moi, je fais plus rien. Puis il est comme puis les Puis comme doux. Juste parler de moi, c'est pas grave. Là. <laughs> je suis pas alcoolique. Je bois juste de al l'alcool clair. Ouais, compte pas. oui, ouais. Do <laughs> j'ai coupé ah. l'embray. Ah ouais. Moi, j'avais ça. Là. Je bois pas du porc, je bois juste de la bière. Fait que j'ai pas de problème. Mais ouais, joue joue tes tournes. Du vin. C'est pas grave, là. Du vin. Les vieilles femmes boivent du vin. <laughs> Les vieilles femmes boivent du vin. un peu... <laughs> <rire> <Ouais>. <rire> puis euh, devenu alcoolique puis qu'il avait supposément réglé son alcoolisme par un sevrage forcé chez sa mère médecin elle-même alcoolique tout, tout oh ça c'est bon, tout, tout ça bon. c'est incroyable ça, oui. bon. après la rando j'embarque avec lui dans son auto pour aller se chercher quelque chose à manger je pense qu'il faudrait faire un concours entre lui et Thomas pour savoir qui conduit le plus mal oh. <laughs> j'ai je... podcast déteste ah. ah. tout du podcast tout ah. j'ai wow. Heureusement, on n'allait pas loin. Ah, oh, super. Dans la file pour entrer, il me demande enfin. Elle veut pas que je conduise ce elle a dit à Pourquoi? Pour peur. vrai? Pourquoi tu veux pas que je conduise? J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. Mais je peux comprendre. Merci. Je te regarde de marcher des fois puis je fais, hey man, s'il y avait. S'il y avait un code de la marche, t'aurais des tickets tout le temps. On m'a enlevé, c'est T'aurais tout le temps, il t'enlever tes shoes. Encore une contravention. Ben oui, je marchais, <laughs> puis ils m'ont vu marcher. <laughs> Mais j'avais fait a déjà dit à Steph, je pense que j'ai vu ton chum marcher, puis qu'est-ce que tu dit Non, il a dit, l'autre jour j'étais au coin de Sherbrooke, puis Papineau, avant d'aller prendre le pont, puis il dit, je pense que j'ai vu ton chum courir. <laughs> puis, tu sais, comment se coincer Puis, c'est le coin de roue, il y a tout le temps beaucoup d'achalandage, là, tu sais, fait que c'est un peu... Puis j'ai fait c'est sûr c'est lui. Ah ouais ouais. Oui. C'est sûr. Tu fais ben il y avait tu des écouteurs puis ses bras il faisait <laughs> ça de même pendant qu'il marchait. <laughs> tu te rappelles euh, là, tu vas croiser, je marchais puis ça t'a fâché parce que Non, ça va pas, c'est pas que ça m'a fâché, c'est que moi j'étais dans le boss sur, sur Sherbrooke puis toi tu marchais à contresens de moi je m'en allais à la maison, pis toi tu t'en allais, je pense à une soirée du mot. Puis il marchait là, mais comme si là il y avait une diarrhée violente qu <laughs> qu'il qui devait retenir. Puis là, j'étais juste comme, oh shit, comme, est, -tu, est -tu correct? Là, j'ai le texte, oh, non, je viens de te voir, on marche. T'es-tu correct? Il m'a pas répondu, genre, avant 15 minutes parce qu'il était juste, non, il se rendait jusqu'à l'hémisphère gauche. Moi, ouais. Ouais, c'est ça que je fais. C'est ça. Je marche, c'est ça que je fais. Là, je me rends. Des ouais. fois, les gens, ils font deux choses en même temps. Puis moi, là, je... il me répond ouais. juste 15 minutes plus tard, genre, ouais, ça va. je suis comme, je pense pas que ça va, mais. Mais je trouve ça beau, c'est du commitment. Je fais une affaire. Je me rends là bas. Oui. Ouais, je comprends ça. Ah oui. Moi, moi j'ai toujours comparé ta marche à, à un oiseau géant. Tu sais, il a rend ça. Un oiseau, <laughs> un, oiseau un oiseau géant. Un gros oiseau. <laughs> un gros oiseau qui, tu sais, il est habitué à voler. Fait, tu sais, marcher pour lui, c'est pas peu <laughs> rapport. Peut-être genre la, la, la passe entre bébé et l'adulte là. Oui. L'ado oiseau qui est comme oh, okay. ouais, ok, 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 on y okay. oh, va. <laughs> euh, là ils sont en fil pour rentrer. A okay. dit, elle dit il me demande enfin ce que je fais comme travail. Je lui explique que je travaille à aider une clientèle défavorisée, principalement des gens qui reçoivent de l'aide sociale. Il me répond que lui, quand les Astides BS ne peut pas le loyer à son chum qui a des blocs, il ah. débarque chez eux et garoche leur meuble dehors jusqu'à ce qu'ils payent. Genre, Je si jeune homme. Mais... Oh my God. Mais quel est ça, est ça. reste. Je les... <laughs> comprends pas du tout qu'il faut pas aller là. tu sais. qu'il reste <laughs> en marde? Il y a <laughs> aucune écoute. Non, seulement, c'est pas, pas moral. Mais je pense pas qu'elle est sensible à ce comportement-là, la jeune femme. Ouais, mais peut-être que souligner. lui, là dans son asti de cerveau douche, là, <laughs> il t'en de mourir, lui. Elle, <laughs> ça Elle est genre travailleuse sociale, puis lui, il est comme. Hey, by the way! Dans les ds, Je ben vais pas lui Je <laughs> <laughs> laisse les meubles par la fenêtre, Tu sais, les gens de qui leur malheur, tu connais la source et tu sais comment ça se fait, ben moi, c'est ça. J'empire ça. Avec une absence d'empathie que t'as jamais vue de ta vie. Là. Enfin, elle parle, tu sais. Ouais. Mm -hmm. <laughs> une chance. Un que ah, c'est bon. Oh. Mais quel quelle de merde. Puis lui, je suis sûr que dans son cerveau, là, il a associé, genre, je vais lui montrer que je suis loyal. Non, 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 non moi je suis. Non, lui il est comme, à apprendre. Non, non, lui, lui il se dit sûrement, j'espère que j'ai des belles bobettes parce que ça va baisser d'être là. Ah euh, ouais, je suis un juste. Ah oh, ouais. Non, mais lui, il dit ben ça. Sans, sans réaliser qu'il dit ça à quelqu'un qui travaille au social, il doit se dire genre, je check, check comment fière, je suis loyal. C'est ça, ça, il est fier. Je suis comme check ouais, comment ouais. je suis loyal avec mon chum. Moi, je fais ça, je suis un bon gars. Ouais, ouais, là, t'es ouais. comme hey man, ouais, ouais. l'imprimante imprime croche en esti là, dans sa tête. <laughs> euh, je suis abasourdi. <laughs> euh, nous aussi. <laughs> Pas, 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 ça. Est... Yeah. Pas, 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 pas est en train de, de mourir. 4, hein? Je me demande comment il peut penser que ça va me séduire de me répondre ça. Il paye finalement pour ma commande. Je lui dis ça n'était pas nécessaire, mais merci, c'est gentil. Et lui, de me répondre Chris, fais donc juste dire merci ou fermez ta gueule. <laughs> <laughs> wow <rire> Mais quel Chris de vidange <laughs> Puis on les connaît ces gars là! Mais attends, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Pas Fais juste dire merci pu ferme ta gueule! Ouais, il a dit ça! Non, il a dit, <laughs> il a dit ça! Fais donc juste dire merci ou farmer ta gueule! <rire> 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 Je vais... Ah, c'est incroyable. <laughs> il y a du ferme ça à sa tête? <laughs> tu sais, on a des préjugés d'envie. Moi, quand maintenant je vais faire une randonnée, tout le ah, monde que je croise, j'assume que c'est des gens qui sont comme ah oh, apaisés, paisibles, des amants de la nature, oui. des gens comme avec une introspection puis une douceur. Non, il y a des calices de douches oui. des fois qui Mais répondent oui. des affaires dans de tout. même. Ben il y en a partout hein. Ah. On repart chacun de notre côté. Pouvez-vous croire que dans tout ça, aucun red flag ne s'était levé de mon côté. Ah, oh, mademoiselle, pour vrai. Je l'avais trouvé beau, drôle, qui avait beaucoup de choses à compter, il était très transparent et honnête et que c'était tout à son honneur. Petit syndrome de Mère Teresa ici, en effet. Mère Teresa, Je... on le rappelle, c'est une femme qui faisait souffrir des mourants pour monter son statut dans l'Église catholique. Oui. Fait que c'est pas un bon exemple, oui, Mère Teresa. C'est une escroc. Oui, c'est une escroc, Mère Je... Ouais. Je ne la connais Elle pas. Elle ne donnait pas des médicaments à des souffrants parce qu'il disait la souffrance te rapproche, te rapproche de Dieu. Elle avait ouais. les médicaments, donnait pas les médicaments aux au, au malades en disant que la souffrance oh, s'approche du ben. Saint-Esprit. Ah, C'est horrible. Oui. Mais cette fille-là, je la connais pas, mais j'adore sa transparence et son niveau d'introspection. Oui, là, elle, Et son oui. analyse, Garde, oui. je suis au courant, le tac-tac-tac. On, on sent le travail social, je trouve oui. ça beau, oui. euh, quelqu'un qui raconte quelque chose comme ça. Oui. Je l'ai donc revu. Il est venu me chercher chez moi pour aller prendre du steak out et le manger dans un parc. Visiblement, je n'avais pas retenu la qualité de sa conduite non plus. Ah. Cette fois. Un, ce chauffe mal. un douche qui chauffe mal, c'est pas bon. Eh Au moins tu te dis le douche Il va chauffer de red, ben non. A dû peur pour ma vie cette fois-ci. Ah Steph! Il conduisait super vite dans les courbes et des côtes, tout en me comptant qu'il avait déjà été assez haut dans le trafic de drogue et qu'il pensait se faire descendre une coupe de fois. Ah, c'est toi ça. <laughs> en, ah, passant côté, <laughs> en passant à côté. En passant à côté d'une cimenterie, il me lance. Je me demande combien de corps sont enterrés là. <laughs> Mais ça, je me demande souvent, ça en ouais, général. Ouais, ouais, moi. Moi je peux aussi. comprendre la réflexion. Ouais. J'ai souvent. Le... Moi, tous les spots, si je deviens itinérant, où est-ce que je peux dormir, j'y connais tous, partout, tout le temps. <laughs> tous les spots pour cacher un corps, je les ai spotés. Euh, tous les endroits qui sont faciles à voler. Ça... Ben, vous vous souvenez, pendant la commission Charbonneau, Monsieur Trottoir, qui menaçait les gens de les couler dans les trottoirs? Ah, ah, oui. incroyable, Monsieur Trottoir. Mais c'est efficace il... Mais en un dans même temps. Il n'y a a peut-être quelqu'un, mon amour. C'est ceux qui font la pègre. <laughs> C'est comme ça que t'installes... Je moi euh, j'ai juste dit peut-être. <laughs> je connais pas. Tu sais, l'autoroute 40, là, ça, ça tombe des fois par morceaux. Là, éventuellement, on va avoir des <laughs> crânes et tout. C'est sûr et certain. Là. Convaincu, <laughs> convaincu. C'est pour ça qu'il y d'eau. OK. Euh, on a mangé nos repas avec de la bière dans un bar et pour une fois, la discussion était franchement intéressante et nuancée. C'était une discussion et non un monologue. Mais, bien. Ouais, déjà, ça aide. Bon. Une fois revenu chez moi, je l'invite à rentrer. La discussion se poursuit avec de la bière. À un certain point dans la discussion, il fait des commentaires racistes, vraiment déplacés. Là, le premier red flag se lève. Bon. Tira le premier le premier, le premier petit drapeau c'est pas quand il a dit tu dis merci ou tu fermes ta gueule ah ouais, c'est ça. ça elle a une indulgence euh, au niveau du drapeau demoiselle. une me... belle patience c'est ah. tu sais, rendu clair pour moi qu'il n'y aura rien de sérieux et que j'ai juste le goût de fourrer avec pour ne plus jamais le revoir je fais ah oh, ça c'est pas je présente que tu sens ça mm. euh, il reste à coucher entre autres parce qu'il n'est clairement plus dans son état pour conduire de toute façon même s'il lui dit que oui tu sais son alcoolisme suppose à réglé on se couche, on commence à s'embrasser. Je viens pour le Frenchie il me dit qu'il est dédaigneux, alors il ne veut pas Frenchy. Ah ça, j'aime ça. Il est parfait. Mais attends, tu vas l'aimer, là. Mais il me fait un cunilingus peu de temps après. Ah. Quand même. Bon, on va le prendre. Des oui. Non, non, on le prendre. Il refuse un French, mais il donne un cuny. Moi, je dis bravo, là. C'est les gens gencives qui n'aiment pas. gars, le dire. n'aime pas les dents, dans le fond. Il n'aime pas les dents. Il aime les lèvres, mais pas les dents. C'est ça, là. Bien dit, si quelqu'un la comprend celle-là, dites-le moi. Mais ben, je pense qu'on vient de le régler. Ouais. Euh, je lui fais une fellation, et je lui indique que j'ai des condoms pour aller plus loin. Il refuse parce qu'il refuse de faire l'amour le premier soir. Ah. Oh. Mais fa fait pour lui faire l'amour, c'est par qui Hein, C'est ça. Tout le monde a sa ligne. C'est de même Il hey, y a un rôle, gars... Y a juste tout le monde me mange. Il <laughs> <laughs> y a un gars qui est en couple qui m'a déjà dit, oh, j'ai ramené une fille euh, chez eux. Euh, j'ai fait comme, mais tu couches avec? Puis il fait, ben non, genre, je pas tromper ma blonde, elle m'a juste sucé. Puis là, j'étais comme, uh... mais. Je pense que tu, tu l'as trompé, ta blonde. tu dis à ta blonde que. Ouais. Tout le monde a sa ligne, là, son code. Si, que... si ta blonde est d'accord avec ça, je comprends. Oui, oh, c'est votre règlement, peu tu sais mais genre, tu couches pas avec, sinon c'est trompé, mais c'était pas ça, lui. Là. Mm. Euh, ce qui aurait pu être cute, si ce n'était pas qu'on avait déjà fait pas mal d'affaires déjà, non? Ok, ouais. ouais. Bref, je me couche en cuillère avec lui et il continue de se frotter à sa façon assez frénétique et à écraser son pénis contre mes fesses et mon dos. Je comprends pas trop ce qui se passe et là, la sphère. Imaginez un lapin qui faut, c'était un peu ça. Il Après... zing. Ah, il s'arrange pour se frotter et puis ça va puis venir. Ouais. ouais. Oh my god. Sans pénétration. Voilà. Après son départ, suite à de nombreux échanges de négociations écrites et en personne, je lui ai fait comprendre que ça ne marcherait pas. Il m'a fait du chantage émotif quand même, il m'a convaincu de le revoir. Cette fois-ci, on a fait l'amour vu que ce n'était plus le premier soir, tu mm. N'arrivant pas à dormir, on continue à jaser au courant de la discussion. Il me dit que je suis une personne merveilleuse, puis le plus sincèrement du monde, que je suis parfaite. C'était le red flag de trop. Ta dépendance à la drogue, ok. Ta dépendance à l'alcool, ok. Ta dépendance au travail, ok. J'ai la même, mais ta dépendance affective, hell no j'ai dû tenir mon bout, mais je, ai, je ne l'ai plus jamais. La seule revue. chose que de pas accepter, c'est un compliment. Sans dit long. Wow. Ouais, elle, peut elle peut se faire insulter, elle peut se faire manquer de respect. Il, Il peut fait dire... des jokes racistes. Tu peux te plugger sur ce que tu veux, mais tu ne te plugeras pas ce mois Ouais. Spécial. Mais euh... Wow, bravo. Mademoiselle, J'espère que tu as une vie sentimentale qui est beaucoup plus agréable aujourd'hui. Oui, mais ben là, elle a la... bien. T'écris écrit super bien. Elle a la réussite aussi, si tu veux la lire. Oh, une réussite sur Jalph. Fantabarnak. Une Jalf. réussite sur Jalf! OK, mais attends. On va être réunis Jalf. à Jalph. Jalph, c'est un site qui s'appelle Jouer avec le fantasme. OK. Spécialisé pour faire rencontrer des gens qui ont des kinks, puis c'est axé sur la sexualité. Oh, cool. Ouais. Ah, c'est bien le fun, ça existe, ça. Oui, voilà. Jalph, si veux tu veux nous écoutes, si tu nous envoyes un T-shirt, on va le mettre. Pas le mettre, là. On va le Ouais, c'est ça, ça le fantasme. ouais on peut le mettre ensuite le, le mettre. C'est ça. ça, 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 ça hey, C'était ah, bon, ça. Il y a pire. Fait, fait pire. Dans, les, dans les épisodes, j'ai fait, fait, fait pire. Moi aussi. En écoutant votre podcast, j'ai découvert Jalph. Yes. Je me suis laissé tenter. C'est malade. Avertissement c'est quand même intense. Une heure après m'être inscrite, j'avais déjà 100 messages de personnes ouvertes à me rencontrer pour avoir de la sexualité dans un avenir très rapproché. Après quelques heures, c'était plusieurs centaines. Bref, ça a donné que le deuxième à m'écrire, voilà, plutôt intéressant. Wow! Cool. En quelques messages seulement, on convient que ni un ni l'autre semble détraqué, creep, mal intentionné ou irrespectueux. On se donne donc rendez-vous chez moi pour une baise bien ordinaire. Ou la parenthèse, moi j'aime mieux être dans un environnement que je connais pas et que je ne contrôle plus. Euh, Alors, ah moi j'aime mieux être dans un environnement que je connais que je contrôle plutôt que d'aller chez un gars que je ne connais pas. Oui, juste très juste. Ouais, je trouve que Oui, c'est une bonne idée. J'étais encore sous le choc de tous les messages que je recevais. J'étais quand même nerveuse, surtout que ça soit, ça soit aussi rapide. Turns out que les deux, c'était notre première fois à se faire ce genre de booty call. Les deux, on était super mal à l'aise. On a jasé un peu. Et on a finalement fait de l'humus maison pour détendre, pour détendre l'atmosphère <laughs> avant de passer les trois prochaines heures à avoir de l'excellent sexe était super attentionné et à l'écoute. Bref, on devrait se revoir pour d'autres booty calls. Une belle aventure. Ah, oh, bravo. Voilà. Merci de me lire et de faire plein de commentaires. <laughs> ben, je suis juste content pour elle parce que c'est la même fille que l'histoire d'avant. Oui! Mais moi, je me suis attaché à cette fille-là. 100%. Dans ce qu'elle a vécu. Puis c'est travailleur social. C'est des vies rough, C'est du oui. monde qui mérite tout notre amour et notre respect. Fac. Bravo. Je suis content. Bravo. Mais, T'es allé sur Jalf grâce à nous. Ouais! C'est bien hot. C'est incroyable, ça. Jalf, ça va nous quelque chose. Mais ça semble mieux, ça, que les applications. Les applications, moi, j'étais plus capable. c'est je... direct, Jalf. Jouer avec le Ah, oh, j'ai pas de. Ben, moi, je suis là pour... pour avoir des amis, puis c'est pour ça que c'est moi sur le bateau en chest. Comme... Ouais. Ouais. Faire des amis, moi, j'ai plein d'amis, là. T'as-tu eu des belles rencontres grâce aux applications de rencontres? Oui, oh, ouais, j'ai des, euh, des amis de filles maintenant qui sont dans ma vie, là. Genre, très, très, très proche. Je détruire au... ce que je viens de dire, puis c'est parfait. Non, mais grâce aux applications, ah. mais c'est surtout ça, c'est que moi, moi je n'étais pas un très bon candidat à ça. Je jasais beaucoup. Euh, puis sexuellement, je suis pas genre, « Hey, euh, je te connais pas, puis go, on part. » Puis je n'étais pas de même. Fait que j'avais vraiment besoin de filer la personne, faire confiance, pas un m'amener. Une fois que je suis là, je suis là à 100%. Là. Mais avant ça, c'était weird. Fait une histoire d'horreur, ça me ça ça repoussait, puis ça faisait qu'il y a du monde qui manquait de classe. Là. Des fois, je me retrouvais sur des dates que je disais comme, Hey, pas tant, mm. décaliste, puis euh, c'était ça. Je ne serais pas de temps que ça. Mais j'ai fait des rencontres merveilleuses de gens qui sont dans ma vie aujourd'hui, puis euh, que j'aime, puis c'est ça. Avais tu une photo de toi avec un poisson ah, non, 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 non. Bien, ça, c'était vraiment compliqué à cause de ça parce que je me faisais beaucoup connaître là-dessus. Mm. Puis, aussitôt qu'une fille m'écrivait un commentaire par rapport à l'humour, je faisais comme Ah, ça me tentait plus. Mm. Je voulais absolument pas que ça ait rapport. Tu sais. mm -hmm. Mm -hmm. Puis, vu que je suis pas trop connu, je me suis dit, je vais pouvoir m'en sortir pareil. Fait que j'ai quand même réussi à en, en faire un peu. Mais je faisais pas de photos de moi avec un micro. Là, puis, euh, c'était ça. Ouais. As des photos à l'extérieur de tout ça. Puis, on parle pas de ma job jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse comme, bah ouais, non, c'est ça, je fais ça. Puis, même là, j'allais dire, ah, je suis auteur. J'allais dire que je suis auteur. Mm -hmm. Puis pas humoriste, là mmh. je suis parce qu'il y a plein de préjugés aussi par rapport à Ma blonde actuelle, c'était juré de ne jamais sortir avec un humoriste. C'est mmh. Ah oui. ouais Mais <laughs> ça, on a une réputation de genre, non, non, tu touches pas un humoriste. Pis je comprends pourquoi, parce que je connais les gars qui ont créé cette réputation-là. Mmh. Excuse. Mais, mais j'en fais pas. <laughs> on en fait pas partie. Mais moi, je pense pas que j'en fais partie. Je pense que toi non plus, là. Faites enfin, ouais. <laughs> qu'on parle. Je suis convaincu que de j'ai des filles qui se Oh, plus jamais. ben moi, je pense que... On peut tous être la mauvaise date de quelqu'un, là, je pense Oui, que oui, absolument, absolument. Tu sais, je trouve ça beau quand toi, tu sais que t'as été la mauvaise date ouais. de quelqu'un. Tu sais, quand tu regardes quelque ouais, chose, tu ouais. fais Hey, ça, c'était une erreur, mais ouais. pour elle. Ouais, ouais, ouais. Là, tu fais, mais qu qu'est-ce que tu faisais avec moi, genre? Ouais. Tu sais, c'est comme genre. Je suis désolé, ouais. là. Je me suis dit ça à plusieurs reprises. Ah ouais. <laughs> mais pour vrai, mais ça m'a fait, fait faute ça. Tu te dit à un gars que tu t'allais violer parce que. Oh. <laughs> Oh, ouais. <laughs> elle je pense que c'est pas, oh. pas sa date favorite la fois a où ça, ma date <laughs> dit à mon frère qu'elle a agressé sexuellement là. elle voulait oh. pas me voir après j'imagine je sais pas moi chaque fois que j'ai appris j'ai aimé ça oui mais tu peux sauter l'intro parce qu'il fait référence à une autre date qu'on n'a pas lu encore parce qu'ils nous en ont envoyé deux tu, sais, tu peux commencer ici là. ok C'est pas tant une date, mais suite à ma rupture, après sept ans de vie de couple, je revois la fameuse fille du vidéotron au bord Nous avons plusieurs amis en commun. On boit, c'est cool. Puis au moment que j'attends au bar pour me commander un verre, elle de me dire que j'ai des belles fesses. Là, c'était clair. Elle flirte avec moi. Alors, bon, à la place de commander un pichet, je commence deux shooters. Oh. On quitte et on se dirige vers chez moi, car elle habite chez ses parents. On s'embrasse, on a du plaisir. Je redoute le moment où on va arriver chez moi, car j'ai un matelas direct au sol. Un coloc qui se laisse traîner, surtout les canettes de bière. Cet été-là, quand j'ai été les ventes, j'en avais pour 50 C'est <laughs> 5... quand même un drôle de brague, ça. C'est Mais j'aime ton unité de mesure. On sait toutes combien de canettes il y avait. C'est un beau. 5000? Hein? 500? Ben, C'est 5 cents la canette, il y en avait pour 50 piastres. Fait, il y a combien de. Il y a 20. 20, pi... 20 canettes par piastre. Beaucoup. 20 fois 50, moi. Ouais. Beaucoup. 20 fois 50, ouais. 1000. Il y avait aussi le chat de mon coloc qui fait pitié avec ses trous dans son poil et maigre. Tout maigre pour un chat. Fuck okay. it, on est sous, on va fumer un joint puis ça va se passer. <laughs> en réalité, on est arrivé et allés, on est allé directement dans ma chambre. Elle me demande si j'ai un condom. Oups! Non, j'ai un voisin. <laughs> Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. T'as-tu un condom? Non, j'ai un voisin. Oups, non, mais j'ai un voisin. <laughs> il faut juste mettre le voisin et essayer de la mettre, je ne sais pas. OK, lui, il a, il a testé mon Fait que si lui, je l'encule puis il te prend, c'est pareil. OK. Je vais, je vais aller voir. Demande un condom. Me donne un condon. Je retourne voir ma concubine. Elle me demande où sont les toilettes. Tellement un condom à ses voisins. Puis il y en sous. a donné un. Quand même. Puis il a donné. Ouais, mais il y a un code, moi, je pense, de. Mm. Peu importe t'es qui, je suis comme. Got your back. Ouais, C'est l'équivalent le, 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 du tampon. Le... Ah, ouais, 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 je comprends. Ouais. Je respecte ça. Bon, là, je sens déjà le poids de vos jugements. Mm -hmm. il, faut, il faut dire que j'étais avec un coloc qui ne faisait pas grand chose du côté des tâches ménagères. À un point tel que j'allais plus souvent aux toilettes ailleurs que chez moi. Oh, oh. Ai eu un appart de, de même, je comprends. Donc elle va aux toilettes, voit la crasse de la toilette, l'eau opaque. Et elle dit non, je peux pas. Elle est où la brosse à cuvette Je lui dis que c'est pas elle de faire ça, mais elle l'a déjà dans les mains. J'essaie de lui prendre, mais elle est dans son nez là. Elle s'est arrosée de cette eau opaque sur sa belle robe blanche. Oh. <laughs> oh my God. Là je m'attends ce que ma date tombe à l'eau, mais elle finit de laver la toilette. Wow. Il, y il y avait un, un, un gag, gag là-dedans. Là. Tabarnak, je ne sais pas comment j'ai dit ça plus haut mais je vais aux toilettes ailleurs. Tabarnak, je ne sais pas. Tabarnak, genre ils oh, sont les de papier, tabarnak, je ne sais pas car comme je l'ai dit plus haut, je vais aux toilettes ailleurs. Okay. Je lui dis que je reviens. Je retourne chez mes voisins mais là, il ne me répond plus. Donc je vais chez un autre voisin où il y a de la lumière. Ah, parce qu'il cherche un. Je cherche du papier. papier de toilette. Imagine, t'as-tu un condom? Non. donne le condom. Va chez voisins. Il revient, t'as le papier de toilette là, t'es là. là Va là, à la pharmacie. Le là. là, là. T'sais, t'sais, mais non, mais. Tu sais, là, le, les instincts de base, je veux me sentir en sécurité avec un gars qui, tu sais, qui pour voyeur. T'es comme, t'as pas de papier de toilette, pis t'as pas de capote, là. Pis, tu sais, c'est comme. T'as souvent... J'ai vu ta toilette, t'as quelque chose. Ouais. T'as des maladies. Oh. Oh, wesh. Boom, j'ai le singal. J'arrive devant ma porte d'entrée, je la vois dans le portique. Elle met ses souliers pour crisser son camp. Ben oui. Un moment donné trop c'est trop. Elle met ouais. C'est plus juste un moment cocasse. Je lui demande de rester, que je suis dégelé. Je la comprends, mais regarde, j'ai du papier de toilette, j'ai dû cogner chez trois voisins pour en obtenir. Elle rit. On a fini la soirée ensemble. <laughs> elle m'a laissé un mois plus tard, mais quand même, je crois que je peux être fier. Un mois après tout ça, je n'ai pas tant un charme. Légendaire, un matelas à terre, puis une toilette crade. La chance! Maintenant, j'ai une base de lit, je garde ma cuvette toujours propre, il m'assure d'avoir toujours du papier de toilette. Il a appris! Ben oui! oui là, bravo. Il a grandi de ça! Bravo! Puis il est fier de. Il est fier! Ouais. Euh, parce qu'il dit qu'il est fier, puis là, je suis comme, ok, cool, je suis content. Tu me dis, je suis fier, je fais bravo, je le nourris, puis à un moment donné, je fais. A... Ouais, mais c'est quoi ta fierté? Une base de lit, une toilette mais, propre. Mais il est fier de ça ou il est fier parce il que fier, là, il, je pense qu'il est fier. Il est fier d'avoir couché avec. Il, puis il est fier d'avoir été un, un mois avec. Ouais. Ça? Ok, c'est ça. Il est fier de ma Elle l'a laissé un mois plus tard. Puis il est quand flat. même. C'est un gars qui a pogné un flat puis comme je suis capable de me rendre. Ouais. Ouais. Puis wow. là genre il a réussi à se rendre au garage. Là. Ouais. Wow Ah oui oui il roule avec la lumière de, de la teinte ouais. allumée. Il mais, est comme genre, je suis capable. Deux jours. Je suis correct. Extraordinaire Ah c'est que c'est bon. Bébé, merci tellement pour tout. Et merci pour à vous, vous c'était super le fun, mon dieu, votre show est le fun. Merci. <laughs> bravo. Fin. Moi je veux vous lancer des fleurs, euh, vous fin. avez parti votre podcast comme après que moi je suis déjà dans la game de podcasting, puis c'est rafraîchissant, ça fait du bien, c'est bon à tous les niveaux, c'est bien structuré, tout est bravo ah. pour vrai. Je suis content de voir votre succès, c'est fucking cool. Merci, ouais. c'est vraiment gentil. Puis honnêtement ton show est incroyable, j'ai adoré, je le recommande chaudement. Pour vrai, c'est pas des jokes, c'est pas juste euh, pour le... Ça serait la pire joke, mon amour. Non, mais je veux dire... Je que... recommande ton show, psych! Ouais, c'est une est... joke! Ah, je, veux, je veux dire que c'est vraiment sincère, puis... Euh, ben, merci! Puis c'est le fun d'encourager un artiste autoproducteur, je trouve ça vraiment cool. On travaille fort oui. là-dessus! Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas connu, à cause qu'on fait full de télé qu'on n'est pas bon. on est plusieurs à être comme, non, non, on torche, puis ouais. les gens ne savent pas, fait Vraiment, fait est encourager, PB, on te suit sur les réseaux sociaux, tout oui. est là. BBRivar.com pour voir le show, tout mmh. est là. 5 mmh. pièces louées, 10 pièces achetées. Car Parfois, il ressemble, Curieux Rivard. Selon une étude. Selon une étude. Ah puis achetez-le parce que c'est un side. C'est le fun d'acheter un show parce que quand tu achètes un show, tu peux l'écouter en 2, 3, 4 fois. Ouais. Pas de suite, mais écouter un show du nord, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est mmh. le fun d'écouter par 20 minutes, en revenir. C'est je suis toujours acheter. L'anecdote de la fin, ouais. que je spoil pas. Mmh. La personne concernée a loué le show. Savait pas que j'allais raconter ça. M'a écrit pour s'excuser. Oh. Oh, j'ai eu mon moment. <laughs> C'est la mère, la mère me le show. Exactement, excellent cliffhanger. Mère, ouais. merci PB. Ça merci vous. Merci.